soirée, genre. Si les gens vont te cibler tout le temps ou pas, ça me stresse énormément. Non, 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 ça c'est pas vrai. Hein. Moi, quoi que je fasse, je suis ciblé. Hein, donc, oui, hein. Oui, allez, voilà, oui, toujours. Hein. Moi, je suis ciblé. T'inquiète, bon, Magla. Aujourd'hui, je te mets bien. Si je suis garde, je te protège. Ok, on lance la game, c'est parti. Attends, ils m'ont pas Joyka et Dwag ? C'est bon, ça y est, je suis dedans, moi. Ah, mais ils arriveront, ils arriveront. Dogby est parti faire pipi. Non, c'est bon, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Tout le monde est là. Des trucs sur le côté. On peut lancer, les amis. Tout le monde est là, par le clear qui nous joindra dès qu'il sera là. Et puis merci à tous une fois de plus d'être là. C'est trop bien, live à 12, c'est marrant, c'est très rare et ça fait plaisir. C'est une stratégie. Et n'oubliez pas, Kamel est souvent loup-garou. Allez, on peut y aller. Clairement, de mon côté. Ah, je pense que ça va être un cauchemar. Je suis là. Gotha, Squeezie, mes ennemis déjà. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mec. Mais à chaque fois, toi, je m'en souviens. Hein. Pas c'est la nuit, tout le monde se tait. Ok. Je vois pas de quoi tu parles. Okay. Pauvre type. Ah non, je suis pas sûr. T'es mort. Tes accusations précipitées. Abdoulaye, je suis sorcière. Je suis sorcière, tuez-moi, venez. Ah, ça fait longtemps, j'avais oublié ce bruit et tout. Ah ouh. Oh, j'ai tout perdu, je sais plus jouer. Non. Après, il y a un clic, quoi. J'ai un truc à vous avouer. Ah, tu sais plus jouer. C'est quoi, montreur d'ours, pardon, c'est pour Mickaël, écoutez pas. Putain, je l'ai pas dit. Non, tu l'as pas dit. Ah oui, voilà, tu l'as pas dit, ouais, voilà. Je t'ai pas dit. Oh, tu es un admin pitoyable, je suis vraiment une sale merde. Tu sais qu'en plus, moi, je m'étais mute parce que j'étais voir Roby, parce qu'apparemment, on avait pas suivi tes résultats. Ah, les gars, c'est trop bien. Tu gagnes avec le village. Chaque matin, ton ours renifle tes voisins et il grogne si l'un d'eux est hostile aux villageois. What ? C'est trop bien. Ah mais oui, mais c'est vraiment incroyable. Qui a demandé ce rôle ? Montreur, pardon. J'ai même pas vu mon oui, rôle. Oui, le monteur, ce serait différent. Bien joué, Sabine. Quand même, hein, ce serait quand même cocasse. Ça fait plaisir. C'est qui est en train de se régaler, là ? C'est moi, mais j'ai baisé. Bon appétit. Qu'est-ce que tu manges ? Des raviolis, je crois. Des raviolis. T'es sûr que c'est pas un humain que tu serais en train de manger ? Il y a de la viande dans les raviolis, non ? Je vois que ça a commencé. Pourquoi ça ? T'es dingue, toujours la petite phrase. Hein. Je t'aimes trop te mettre dans la merde. L'engraineur du collège. Ah ouais, putain, jamais ce gars au collège, il était horrible. Oh, il faisait vraiment, il faisait des bonnes onomatopées horribles. Ouf. J'aurais pas aimé, quoi. Oh merde. Ah, il va pas rien dire quand même. C'est horrible cette phrase. Il va se laisser faire. Il se laisse faire. Ah, tu te laisses faire. Eh ben. Oh, c'est une salope. Même pas tu réagis. Et je sais même pas ce que je suis. J'ai une question. Mmh. Petit Roman, je me souviens que vous annoncez quand vous étiez. On a le droit, ouais. On a le droit. On a le droit de dire quand on est un. On a le droit de dire quand on est un. C'est marqué dans ton chat ou pas, ça, non ? C'est marqué dans ton chat à toi. Okay. Mais du coup, tu peux le dire. Je peux bluffer. Je peux dire mais tu peux bluffer. Et donc, t'as aussi le droit de dire que t'as été aspergé d'essence alors que pas du tout. Okay. Si c'est dans ta strat. Okay. C'est non. C'est pas Devo, ça. C'est ciao. Ça, c'est pas Devo. Je voulais savoir. Parce que du. Oula. Oh non. Oh les bâtards. Je vois qu'il y a des choses qui changent pas. Alors, attendez. J'ai déjà un truc à vous dire, cher village. Oui. Avant que nous annonçons le vote. Oui. C'est le vote du maire d'abord. Hein. Ça, c'est le vote du maire. Attends, excuse-moi, j'ai un peu de gasoil sur la tête. Ouais, je sens pas de tête. je comprends dans la situation dont tu parles, Mika. Ah, on fait deux. Il peut y avoir du rejet. Ouais. Eh ouais, c'est un ou deux. C'est un ou deux. Mais du coup, il peut aussi brain. Écoute, t'as vraiment dit ouais, on peut y en avoir deux. Bah ouais, c'est le personnage quoi. Écoutez, okay, le gars peut aussi brain en ne mettant de l'essence que sur un joueur et en faisant genre au réveil que le deuxième joueur qui s'est pris de l'essence c'est lui-même. C'est lui. Alors que non, c'est compliqué. Faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça. Ah, du coup, t'as envie de faire cette strat en fait. Allez, tout le monde élu le meilleur maire, je ne dis aucun pseudo. Vous votez pour le meilleur maire. Ouais, je pense MV, ouais. Ouais, MV, c'est bien. Oui, bien sûr. Profitement pour tous. Au grand maître. Ne vous inquiétez pas, le confinement ne durera que 3 ans. En revanche, laissez parler le maire, n'oubliez pas. Bien sûr. Merci de m'avoir fait confiance. Plus jamais, plus de pauvreté, car nous allons exterminer tous les SDF de notre village. Oh, pardon. Je propose. Il y a un corbeau qui. Putain, un corbeau. Ah.
Dommage. Alors que Squeezie prend 2 votes. Qui a voté pour Squeezie? Le maire c'est le corbeau, c'est le corbeau. Il a voté pour Squeezie. J'ai pris le corbeau, ouais. Attends, je comprends rien là, je vote pour qui, pourquoi alors je... Là, on vote pour le maire, là, on vote pour lui qu'on va tuer. L'ours, le mec qui a les ours là, on a tous vu dans le chat que ton ours il a grogné, donc balance, frérot. Ah oui, attends, j'avais pas vu ça. Oui, balance. Ouais, mais du coup, je peux faire un aparté. Village, je peux faire un aparté. Oui. Nous sommes 4e à 8 points du 2e, Corentin. Voilà, ça avait rien à voir avec Minecraft. C'est un nom de code entre les verrous, je pense. Je n'ai pas compris du tout, mais. C'est bizarre comme. C'est notre classement au Twitch Rivals, cher Lucien. Ouais, c'est un nom de code. Tenton parle un langage qui ne me plaît pas. Je vote contre lui. Non, monsieur. Attendez. Mon RP. Ok, tu nous as sorti. Je tiens à vous dire, cher village, que ma profession vous permet toutefois d'obtenir 2 infos. En plus, t'as dévoué. Est-ce qu'il est en train de dévouer? Non, bah là, il est un peu dévoué. Je pense qu'on va l'exploser la soirée. En quoi j'ai dévoué? C'est un giveaway là. C'est... Merci. Ah ouais, bah dites ce que vous pensez que je suis. Ok, si du coup, moi je propose. Attends, t'as dit quoi? Répète ce que t'as dit avant, Nicolo. Ta profession. Comme il est agressif. Attends, t'as dit quoi? Répète. Non, mais attends, répète. Ta profession, c'était quoi? Hein? Ta profession, c'était quoi, t'as dit? Je tiens à dire que je peux donner 2 indices dans ce village. Moi je propose qu'on tue le maire alors. Il a donc un très gros arbre. Comment ça? Mais qu'est-ce que c'est ça déjà? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Moi je propose qu'on tue le maire. Deux indices, ça veut rien dire. Si Mika n'est pas en train de mentir... Je peux dire que j'aurais... Tiens, Doak, t'as changé très vite de vote. Si je veux, je peux exprimer, mais j'ai une question, Squeezie. Est-ce que le pyromane, par rapport à l'ours, il est détecté comme un méchant? Ouais, parce qu'il gagne pas avec le village. Donc, alors ouais. J'enlève mon voix. Parce que j'ai de gros doutes de pyromane côté Kameto. Non, je le sais pas. Mais regarde. Je suis innocent, Doak. En fait, franchement, je suis innocent. Et là, ce que nous a dit Mika. Ça peut être autre chose, les gens. Ouais. Ça peut être le pyromane. Ah, donc t'es peut-être le pyromane. T'es innocent ou pas, du coup? Par exemple, c'est 2 indices. Je peux être une voyante qui donne 2 indices. Je peux être une sorcière qui peut donner 2 indices. La voyante, elle donne pas 2 indices, elle en donne 1. Je peux donner 2 indices. Ouais, mais j'ai pas dit. Ouais, c'est tout fait. T'es innocent ou pas, Mika? T'es innocent ou pas? J'ai retiré. Oui, ça, je peux t'annoncer que. Moi, je ne connais qu'un pyromane. His name is Jean-Pascal. Oh non! Ok, MV c'est ciao! Ok. MV t'es mort! MV t'es mort! Je vais vous montrer que c'était pas une dévo, putain, j'ai perdu du temps! Maman! Quelle histoire! Dead! Putain, mais Locke il est là même quand il joue pas! Foutu! Sa solution là pour faire baisser la pauvreté, c'était scandaleux quoi. Tu passes pas la nuit. Mais fait perdre du temps parce que. En fait, vous me dégoûtez ce village. Quoi? Toi, t'es mort. Je voulais vous expliquer que c'est pas une dévo. Surtout que montreur d'ours, t'avais dit un truc au début de partie justement parce que tu savais pas ce que c'était, mais en fait, t'avais dit que c'était toi parce que tu savais justement pas que c'était, mais on t'a quand même visé. Quoi? J'ai jamais dit que c'était moi. C'est Coco qui a dit, il savait pas. Ah oui, mais du coup, il a dit pour Mika. Ah oui. Oui, j'avoue. Ouais, mais il savait pas que j'étais montreur d'os. Ah, il savait pas. Ah oui, c'était vraiment de la chance. Il a dit, en fait, c'était la blague, parce qu'il voulait faire croire que c'était moi et que je demandais. Mais au final, oui. au final, je l'étais. C'est trop vrai. C'est pour ça, oui. C'est pour ça que j'ai une info. Les morts parlent pas. Et la deuxième info, c'est quand un rôle est vert ou rose, c'est quand un rôle est vert et rose, les ours ne grognent pas. Ah. Mais tous les rôles qui sont ni vert ni rose, ça grogne. Je comprends rien du tout. Donc c'est le pyromane il grogne aussi. C'est la première, ça va aller. Ouais, pyromane il grogne. Re les têtes de nœud. Parce que Mika il a grogné, j'espère que vous l'a remarqué, mais on en reparle la journée. Et Joyka, on parle des couleurs à droite en dessous de l'icône, c'est à plusieurs couleurs. Ça te permet d'avoir des catégories. GG Gotha, GG Mika d'ailleurs en fait. D'accord. Merci Locke. On est dans notre game nous. C'est vrai ça. Eh bah écoute, Doug. Excusez-moi, je quittais Discord, pardon. Oh. Ok, oula! Oula! Kameto, MV, quoi? Merde, j'avais pas vu que j'étais mort! J'ai une question au chat. J'avais même pas vu que j'étais mort, je voulais juste le tuer. Mais on peut pas utiliser les deux? Comment? Ah, tranquille, c'est après. On est d'accord que j'avais pas d'Evo, il pouvait y avoir plein de rôles. Non, t'as pas d'Evo. T'es pas mute, Mika. T'as été sage. Moi, j'ai pas l'impression que. Pardon, je me croyais sur TS, my bad. Ok.
Bonjour. Des morts ne parlent pas, les gars, vraiment, pour le bien de la game. On vote le maire, là, non? Bah non, il m'a donné le maire. Ah, il a donné, ouais. Attends, qui a metté pour la nuit des sorcières? MV, mort et loup-garou, donc il s'est pris une popo. Squeezie est parti en fumée, il était voyant. Donc, ok, my bad. Pour moi, Dwagby, t'as absolument target très rapidement. Dans le vrai loup-garou, on peut utiliser les deux potions. Ah oui, t'as target super rapidement. On est d'accord, quand il a eu son intuition sur MV. Kamel a eu normalement, on peut utiliser les deux, bah ouais. Sur MV, Kamel était du coup... Tu peux me défendre ou pas? Ouais, par pitié. Bien sûr, bien sûr. J'ai pitié, sinon c'est toi, en fait. Et encore à tort, parce que du coup, ça m'a prouvé que c'était faux. Parce que je me suis dit, qui aurait pu cramer... Je sais pas, genre... En fait, on avait okay, dans tous les cas dans la game, on avait une intuition. Mais je l'avais même pas vu que c'était moi qui mourais. C'était Mika parce qu'il a parlé de son Twitch Rivals et Kamel a une intuition. Et toi, t'as foncé sur le mec qui a eu de l'intuition. Donc le seul truc qui nous donne la probabilité de gagner. Game, il sait déjà qui ciblait, c'est sûr. Déjà de Wagner. Je sais pas s'il essaie d'attirer l'attention sur moi. Mais moi, j'ai joué, c'est exactement ce que j'essaie de faire. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Donc ce sera toi ou moi, je pense, cette journée. Vas-y, pas de soucis. Y'a aucun problème. En tout cas, ça va être maintenant. Ma défense, c'est que pour moi, Mika, on met un peu dévot sans vraiment dévot donc pour sa défense, ce qui fait que j'ai vite compris qu'il était ours. J'avais même pas été dans la game. Soit Kamel, soit MV était dans le côté négatif. Pour moi, c'était Kamel parce que je me suis relié. En vrai, j'avais faim. Qui avait été cramé et qui aurait pu cramer ces personnes-là à tort. Encore une fois, je reconnais mes fautes. Donc du coup, MV que Kamel avait ciblé est mort. Tout va bien, mais je pense pas être du camp des méchants. Après, tu ne penses pas, t'es pas sûr. Bah, je veux pas dévot, tu vois, frère. Mais on peut discuter. Donc, ce qui veut dire si tu cherches à mettre la faute sur moi parce que t'es dans mon camp. Moi, j'utilise les infos que j'ai rien dit. Et Terracine, il parle pas. Ça va, Terracine? Ok, bah, je me suis défendu comme ça. Maintenant, à vous de la prendre ou pas, ma défense. Mais... ah ouais, non, là. Mais il y a une logique derrière mon call, quoi. Ça va, Terra? Terra? Bon, bah, votez pour lui. Yes. Écoutez, genre... Discord, par pitié. Yes. Terra, tu vas mourir. Alors, hein. Terra? Terra, il bouge. Ah, si, il bouge en plus. Allô? Terra? c'est la pire défense en 10 jeux, gros. J'arrive que genre. En plus, je tourne la tête, ça marche pas, tu le sais. Elle a jamais marché, Terra, réponds vite. Terra. C'est ton call, ça. Ok, il faudra. Non, non, ah, mais depuis tout à l'heure, je parle. J'étais muté. Eh mec, je me suis dit. Je me suis dit, il allait faire toute une game sans parler, genre incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, attendez, vous avez pas voté pour moi? Non, on a pas voté. Ok, continuez, allez-y. Mais c'est pour toi. Moi, ouais, il y a pas besoin de... voilà. Bon, ouais, allez, on vote au hasard, allez, c'est la fête. Vraiment, vraiment, alors que... Mais je fais des erreurs, je fais des trucs. Je suis désolé. Non, je suis désolé, genre... Oh, c'est terrible, j'aime pas cette sensation. J'avais des vraies infos, Jill, par contre, j'ai réfléchi. Oh non. Deal. Ok, attends, vas-y. De grâce. Ouais. De grâce, réfléchis au fait que tout à l'heure, on avait un pif et une intuition, le pif étant Mikalo, l'intuition étant Kameto, et il a... Non mais t'inquiète, Dwagby m'a déjà roulé plein de fois dans la, oui, dans la farine, donc juste... C'est ma défense, s'il te plaît, ne n'utilise pas ça contre cette game-là, parce que ça ne marchera pas, je suis de ton côté. Si. Ah non, mais non. Et surtout, pourquoi je suis toujours en vie, là? Comment je fais pour survivre autant, là? Mais pourquoi on s'est mis dans la sauce, frère? Bonne chance. Après... ouais, ok. On va rien dire. Tu m'as pas menti cette fois, Dwagby, je suis désolée. Oh non. Attendez, il reste. Je suis là toujours. Oh putain. Écoute, Magla, j'ai pas voté pour toi parce que t'as dit à chaque fois au début on vote pour toi et t'es innocente. Mais est-ce que là tu aurais utilisé la technique du... Je suis couverte de gasoil, je préviens. Oui, pareil. Alors Terra, je t'aime bien, mais ouais. Est-ce que tu veux expliquer ce qui se passe? Ouais. D'accord. Global. Ok, qui aurait... D'accord, prends ça, Terra. Mais non, mais c'est 100% Terra. Mais non, ah non, c'est Terra. Mais c'est 100% Terra. Je suis avec des méchants, là, avec des méchants. Bah moi, je vote pour toi, écoute, voilà. Moi, je vote pour toi, Terra, désolé. Dans ce cas-là, Jordan. Quoi, vas-y. Mais gros, on se connaît bien et tout, mais là, j'arrive, là, je comprends pas. Je suis pas mort depuis le début. Terra, tu peux juste retirer les votes sur ma tête, s'il te plaît. Non, mais... ce serait moi. C'est 100% toi, le loup-garou, Terra. T'as fait semblant d'avoir un micro mute, là. Ah non, par contre, je parlais vraiment. Non, voilà. Putain! Ah, quoi? Quoi? Non! Quoi? Mais j'ai gagné!
Bravo à tous. Oh mais putain, mais oui. T'as gagné aussi. Jordan, t'as gagné ta première game, man. C'est pour ça. T'as gagné en loup-garou en ayant dit deux phrases. C'est incroyable. Quel génie. Mais pourquoi tu l'as mis, capitaine? Bah t'étais pyromane, dis. Ouais, Terra. Oui, mais t'as gagné. Les gars, j'ai fait une game. Je parle pas. Et après, j'y... Mais depuis tout à l'heure, je crois que je parlais. Alors, toute ma partie, j'ai essayé de mettre Minecraft autre que 3 pixels sur mon écran. Et j'arrive pas, je voyais pas les noms, je votais au hasard, je vous le dis. Parce que sinon, ça fait des zooms sur le chat, sur le live, je comprends pas ce qui se passe. GG Terra, du coup, qui gagne sa première game direct en étant le garou. Franchement, prochaine game où je suis loup, je fais ça. Et JMK qui gagne sa première game. Et JMK qui gagne sa première game en survivant. Ce qui n'est pas si évident. Ce qui n'est pas dans le jeu, je me permets. En étant présent. La décision de Terracy de tuer directement Gotaga pour le trigger. J'étais pas trop pour. J'étais pas trop pour. En fait, je lui ai dit, c'est toi qui prends la responsabilité. Il se dédouane. Il veut pas que la colère ah ouais, se fasse sur lui. C'est pas très clair. Aïe aïe aïe, Coco qui vient de s'en souvenir. Règlement de compte. Et pourquoi moi, aléatoire ou. C'est quoi? Je laisserai Terracide évidemment trouver le moment. Ok, les amis, on y retourne. Il y a un rôle du coup qui est ajouté vu que le clear est maintenant là, c'est le bouffon. Ah, ah, grand rôle ça. Je vais rappeler. Ça va être certainement moi. Il est neutre, il gagne s'il remplit son objectif. Et son objectif, c'est d'être éliminé par le village lors de n'importe quel vote de jour. Voilà. Ouais. Avant toute chose, okay. Locke, pouvons-nous signer une armistice, s'il te plaît? Non, t'es morte. D'accord, ok, minique, on graille. Je te graille. Allez, les gars. Focus, Magla. Let's go. Oh mon dieu. Il n'y a pas de souci, j'ai compris comment allait se passer ces 3 heures. T'es terminé, Locke, t'es terminé, tu vas voir ce qui va se passer. Je te prends un lien sur Cooking Simulator maintenant. Pas de souci. Je tiens mieux les tomates maintenant que toi. Chut, oh, il y en a qui dorment. Oh, pas mal. Tu permets, toi, tu viens d'arriver. Pas mal de retour. J'ai même pas dit bonjour à Kenny Stream. Salut. Salut, mec. J'ai même pas dit bonjour à Monsieur MV. Même pas dit bonjour à Terracide. J'ai même pas dit bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde, ça va ou quoi? Bonjour. Bonjour, là. Bonjour. Y'en a qui dorment. T'as passé tes moments. S'il vous plaît. T'es nœud, là. Leclerc, tu peux me dire bonjour? Bonjour, Mikalo, ça va? GG, mec. Si tu m'as pas dit bonjour. Bonjour, Kamel, ça va ou quoi? Tu peux me dire GG aussi, s'il te plaît? GG, mec, t'as fait un merci. Non, c'est tout, merci. T'as pas fait que tu joues sur League of Legends dernièrement? Non, j'ai pas joué récemment, je joue à Rust. Ah, ok. Ah, putain, j'aimerais bien jouer à Rust avec toi. Je regarde leur aventure avec Kenny et Narcus. Incroyable. T'aimes bien? Ouais, c'est marrant. Après, faudrait plutôt ou pas de quoi. Super. Alors, pendant la nuit, les gars, on peut m'expliquer c'est quoi le pyromane, s'il vous plaît? Pyromane, la nuit, il peut soit mettre de l'essence sur deux personnes, soit allumer l'essence qu'il a déjà mis sur des gens et les tuer, du coup. Et c'est la nuit qui les allume. C'est la nuit qui les allume et donc c'est la il nuit les tue en deux temps, c'est ça? Voilà, deux temps, exactement. Exactement. Ok. Le mec qui me huile, il est mort, hein. Je te le dis tout de suite. Comment je sais si je suis huilé? Les gens savent il si, écrit dans si on est huilé? Ok. Et tout le monde sait ou il y a juste toi qui sais? Non, juste toi. Tu peux le dire. Et ton perso, il est trop con pour enlever l'huile? Oui. Quoi? Genre le matin, je suis trop con, je sais pas prendre une douche pour enlever l'huile sur moi. I'm dead. Oh non, mais attends, on prend pas de douche ici, mec, on est des trop gamers. T'es en train de douter de la... du côté réaliste du loup-garou? Le principe, il y a des loup-garous déjà, frérot. C'est la vraie vie ici. Non, non, Animal Crossing, c'est ailleurs, frérot. Faut que t'ailles sur le live de Link. Là, on joue au loup-garou. C'est qui mange des cornflakes? Moi, pardon. Le montant à 12, sa bête a grogné, n'oubliez pas, sa bête a grogné. Ah putain. Les amis, j'ai une annonce à faire. Oh là là. Je suis huilé, sauvez-moi. Allez, okay. Sauvez-moi, je vous en supplie. Je ne veux pas mourir. Oh non, Kamel, il va se faire brûler. Non. Eh, le mec, le pyromane, je vais t'attraper, hein, t'es mort. Fume-le. T'es mort. Je vais tous vous regarder, vous êtes finis. Personne d'autre qui est huilé. Jette lui ton allumette. Il peut tuer et huiler que deux mecs, c'est ça? Il peut huiler jusqu'à deux mecs, mais il peut en huiler qu'un en fait aussi. Ah donc il a huilé que moi là. Non, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il peut en tuer qu'un seul. Ouais. Non, j'avais pas vu que c'était écrit, je suis. Bon, je pensais comprendre vite fait là. Oiled. Je suis Ah, ok. Attendez, le maire. Le maire, MV? Oui.
Quoi, je suis mère encore? Donnez une deuxième chance à ce mère. Allez, je viens d'arriver, vous me mettez pas mal. Allez, MV, fais-nous rêver. Moi aussi, je viens d'arriver, je n'ai pas vu. Wow, merci okay, de mettre dans un siège confortable. Ah, ça pue l'essence. Ça va, Locke? Ah, ah, merci de votre confiance, je ne vous trahirai jamais deux fois de suite. De suite. Compte sur toi. Clique sur toi, peut-être. Ça, s'il vous plaît, monsieur le maire, sauvez-moi. Bien sûr. J'ai pris l'allumette, on en finisse. Kenny aussi t'es huilé, c'est ça? Ouais, ouais, j'avais pas vu que c'était écrit comme ça, mais ouais, je le suis, ouais. T'avais pas vu ou alors c'est toi le pyromane et t'as huilé que Kameto et t'as oublié de dire que t'étais aussi huilé. No joke, hors jeu, juste je découvre les écritures et je savais pas que c'était écrit comme ça et j'ai okay, pas lu. Ok, 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 c'est crédible, c'est crédible. Tu découvre les écrits sacrés. Ah, direct, ça on est en dehors du RP là, je suis pas d'accord avec ça. Mais non, parce que j'ai le capoté. Ah moi quand j'étais en RP, ça m'a voté. J'espère que c'est pas une vengeance e-sportive. Ok, Mika veut nous éliminer. Écoutez, moi je fais confiance aux hommes huilés. Ensuite, bon, il y a deux votes sur MV là, dis donc. Bon, de toute façon, au début de game, les gars, les seuls qui peuvent aider, c'est le montreur d'ours et la voyante. Donc faut attendre les calls et prier pour que. Je suis navré, les gars, mais c'est quoi un montreur d'ours? Montreur d'ours, les gars, à ta gauche et à ta droite, s'ils sont hostiles au village, tes ours ils grognent le matin. Mais en vrai, ouvre le doc. À ta gauche et à ta droite, c'est pas juste ceux que tu montres par ton ours? Non, c'est ceux qui sont collés à toi. Si ton ours grogne, ça veut dire que le gars à ta gauche ou à ta droite, ou les deux, joue contre le village. En gros, le clear, tu peux avoir soit le pyromane, soit le loup-garou à côté de toi. Mais comment ils peuvent nous aider, montreur d'ours et la voyante? Pyromane, c'est un méchant? Oui, pyromane, c'est un méchant, comme le loup-garou. Oui, mais tu dois finir seul. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, bah venez en but, venez en but, Kenny Stream. Ouais, moi aussi, mais il est huilé, il est huilé. Après, il est huilé, Après, attendez, en tant que huilé, je pense qu'il faut que vous tuiez. Oui, c'est pas mal comme strat. Ouais, moi je suis huilé aussi. Comment tu sais qu'il est huilé? Ça se trouve, il bluffe. Il le dit. Ouais, il le dit, mais il le dit. Ouais, mais il l'a dit avec retard et il a admis que. Moi, il est sorti. C'est la première fois qu'il joue. C'est la première fois qu'il joue. Il y a un truc, genre, juste quelle phrase. Quelle phrase exactement il y a écrit? C'est bon. Non, quelle phrase exactement il y a écrit quand il est huilé? Mais monsieur le maire, vous pouvez pas mentir comme ça, par contre, ça. Alors, je peux. Ah oui, attends. Je peux te la lire exactement. Mais attends, je remonte. Ok, tu es recouvert de gazole, trois petits points. En gros, j'ai juste une émote qui. Oui, c'est bon, c'est 4 petits points, c'est 4 petits points. Tu es le. Bien, c'est 4 petits points. Non, mais. Par contre, Lucas. Il a juste pas vu. Il y en a 4, mais oui, il y en a 4. Mais what the fuck, je savais, Je crois que j'ai un bug. Lucas, je crois que j'ai un bug. Je vois ton nom en rouge alors que je suis pas loup-garou. Mais du coup, t'es loup. Qui? Non, mais là, faut tuer. C'est bizarre, je suis pas loup-garou. C'est un vrai bug pour le coup. Faut tuer le pyromane. Bah, je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr de comment Lucas a dit ça. Il avait l'air très. Non, pour vrai, je suis même pas loup-garou. Attends, c'est quoi ce bordel? Louis, t'es vérifié. Terracide est rouge aussi. Ah non, bah non. Alors, non. Mais non, mais vraiment, je suis pas loup-garou. Terra, t'es pas loup-garou non plus. Dis la vérité, c'est un chien, ça se trouve, t'es loup-garou et tu vas me manger de la merde. Mais peut-être que Squeezie, il est sur moi, c'est les deux seuls autour de moi, les gars, qui sont rouges, je sais pas pourquoi. Mais du coup, y'a pas un... Y'a pas un Gotha, moi j'ai le bug. Mais attends, je sais pourquoi. C'est parce que t'es montreur d'ours. Ouais, c'est le montreur d'ours. C'est le montreur d'ours, t'as dit. Ça veut dire que toi, t'es loup-garou, c'est un chien. C'est le montreur d'ours. Non, c'est faux, c'est faux. Quoi? Ah, il y en a un qui est... Arrêtez, faites égalité. Non. La sorcière fume Terra, la sorcière fume Terra, fume Terra. Gotha, c'est pas un bug, hein. Non. Si, c'est un bug, c'est un bug. J'étais montreur d'ours. Écoutez-moi. Aled, il y avait zéro bug, personne était en rouge. Putain, je voulais juste pas des veaux, putain, vous êtes chiant. Ok, t'es mort. Putain, il a bien géré. C'était la pire stratégie. Écoute, Lucas, il a pressé de ouf, parce que Terra. Mais écoute, t'as des veaux, frérot, attends. Oh merde. Oh, mais c'était sûr qu'il avait menti, vous avez plongé dedans. Oh, en vrai, c'était deux soirées. Franchement, j'ai pas des veaux et on a trouvé un loup-garou, les gars. Ouais, Coco. Malin, what the fuck. Moi, j'ai compris, en tout cas. Moi, je dors. C'est quoi ce qu'il y a à droite, là, genre garde 15, sorcière 14, dictateur 13, tout ça? J'en suis là, moi, en fait, dans la game. Ouais, j'en suis là, moi. C'est tous les rôles, en gros, qu'il y a in-game actuellement. Donc là, tu vois qu'il y a un loup-garou en moins, mais en fait, faut pas que tu regardes le 15, 14, 13, je t'en fous. Regarde plutôt à gauche, il y a marqué une personne qui est garde, une personne qui est sorcière. Ok, ça c'était d'accord. Il m'a préparé les sentiments, voilà. Les gars, il a parlé d'un bug. Exactement. C'est bon, c'est mon bug, il m'a préparé les sentiments. Ça vient, c'est les premières games, ça va venir. Non, mais j'aimerais trop voir ta tête au moment où c'était trop marrant comment il a bégayé. Il a bégayé au 12, non?
Moi aussi, je me en rouge. Là, je me suis fait baiser, c'est... j'arrête de live, quoi. Shell, best of. Brûle d'autres gens, le pyromane, fais le bon. Bon, le pyromane, là, il peut allumer le feu ou pas? Fini le taf. Non, fais le bon, grid. Comme ça, après, tu fais un quadruple kill, personne n'a jamais fait ça. Kamel, ouais, arrête. Il peut allumer qui il veut, hein. Arrête. Je suis recouvert de gaz, voilà. C'est qui l'a recouvert. Qui a dit ça? Qui a recouvert? Qui? Personne n'est recouvert en plus. Ah, bon, bah, adieu. Attends, du coup, il y a qui, là? Allu, plus Kenny. Hein? Ah non, on est mort, personne n'est recouvert en plus. Ah. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de loup-garou, moi. Bah, ah, y a des ils ont rajouté des étoiles. Ah bon? Ah ouais, ah ouais. J'avais pas vu. Sachez en tout cas que si je me réveille pas, bah dommage. Par contre, la lune elle est carrée, il y a un problème là. La lune n'est pas carrée, hein. La lune est plate. Mais c'est un jeu vidéo, Leclerc. Non, mais dans la vraie vie, la lune est plate. Ah putain, oula. Ah oui, c'est encore plus loin que j'imaginais. Ça va là? Hashtag la lune est plate, les gars, let's go. Non, non. Oh merde. Et bah voilà. Je regardais la lune. Oh. Ok. Et attends, et l'ours, il grogne. Qui est mort? Bah, l'ours, il grogne. Salut, Jill. Ah. Mais non, 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 non. Le gars, on va garder Kenny. Non, bien sûr. Si, dis donc, t'es acide, c'est bizarre quand même. Moi, je tiens à dire que pour me présenter à ce conseil, je me suis huilé le corps. Mais mais non, 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 en vrai, non, genre. Vraiment. Sinon j'aurais jamais dit. Sinon j'aurais jamais dit. Oh bah tiens, dis donc ça grogne. Bah si, justement. Mais bah, non, mais non. Bah, non, mais je pense que était loup-garou, tu vois. C'est possible que les deux étaient loup-garou et du coup. Bah, bien sûr. Mais non, c'est pas ça. Mais en fait, Terra, il a promis qu'il était pas loup-garou, mais il reste quelqu'un qui brûle des gens. Oui, il est toujours là. Ouais. Vous voulez virer le pyromane en prio? Ouais. En vrai, ouais. Après, soit vous voulez one shot la gueule et tuer Gilles, soit vous me tuez moi et vous devez attendre le prochain tour pour la tuer. Moi, je vous dis, on peut gagner du temps. Oh mais t'es vraiment un enculé, dis donc. Vous me traitez comme ça, hein. Non, non, mais dis donc. C'est clair, c'est qu'on va tuer soit Terra, soit Jill, hein. Mais non, mais... Bah moi, je dis, moi, je te dis, il y aura pas de temps à gagner. Et moi, je savais que... En vrai, je sais même pas qui est qui. Bah oui, tu savais qu'il était loup-garou, du coup, t'avais essayé de le tenter. Mais bien sûr. J'ai retrouvert l'œil la nuit et j'ai vu qu'il était loup-garou, après... Bah évidemment, et du coup, tu m'as vu ou pas? J'ai pas fait le call. Non. Moi, Terra, c'est pour toi, je te le dis. Il y a forcément un Dwag qui va se jouer en deux tours. Mais il y a forcément nous deux, bah allez-y. Moi, je comprends rien, Dwag. Dwag, t'as compris quelque chose? Moi, je comprends rien. Non, mais en gros, je sais que c'est un peu Terra et Jill, mais leur défense. Je comprends même pas pourquoi c'est en deux. Non, mais attends, et toi, Dwag, votez Jill, votez Jill. Regarde-moi dans les yeux, tu vois, Dwag, je te jure que je mens pas. Je mens pas. Je dis la même chose sur la game 1, t'en as une. Non, mais tu m'as toujours menti, toi. Dwag. Elle peut ne pas te mentir. À ta droite, regarde. Ah, pardon, regarde-moi dans les yeux. Elle a dit, regarde-moi, je ne suis pas loup-garou. Mais est-ce que les pyromanes, oui. Mais eh ben oui, effectivement. Mais non. Et oui. Vas-y, vas-y, toi, vas-y, dis, regarde-moi dans les yeux. Attends, ça veut dire que c'est pas un pyromane. Ça veut dire que le garde a sauvé Kenny. Non, je t'ai jamais. Alors, il y a du mensonge. Tu m'as jamais menti, je sais. Et genre, ni pyromane, ni loup-garou. C'est je te jure. Je vote Terra. Moi, désolé, je choisis Terra. S'il te plaît, ferme la tête. Est-ce que, les gars, je suis désolé, mais pourquoi on vote Terra? Bah, parce que voilà, j'ai pas compris. L'ours a grogné, donc il y en a encore un entre Jill et Terra qui est méchant. Pour moi, c'est Jill. Potentiellement, mais non, parce que un loup-garou et un pyromane. Non, j'étais safe. Je me suis dit, je saurais pas qui c'est. Mais attends, mais ça a grogné. C'est moi joué, Zeb. Mais le loup. En fait, quand Gotha a grogné au début, Squeezie et toi pouvaient être méchants et du coup on a aucune info. Non, si j'aurais été loup-garou et que Gotaga était à côté de moi, je l'aurais bouffé cette nuit. Je sais pas, celui qui va le vite. Attends que je te parle. Attends que je te parle et vas-y. Je ne vous fais aucunement confiance. Je savais que Gotaga était le montreur douce. Donc il m'aura accusé au prochain tour. Je l'aurais bouffé si jamais je voulais rester en vie. T'es juste à côté de moi. D'ailleurs, le garde n'hésite pas. Le garde n'hésite pas. Pourquoi il s'est défendu alors que je voulais tuer Gilles? Attends, mais comment ça se fait que ça a grogné? Mais ma défense était logique en parce plus! Parce que ça se trouve, Gotha il est pas montreur d'ours! Quelle idée de se défendre!
Bah, ça se trouve, il est pas montreur d'ours. Hein. Commencez pas à remettre ça sur moi, s'il vous plaît. Non, tu verras. Moi, j'ai rien dévot. Il y a des gens qui ont dévot pour moi. Voilà. On va s'occuper de Magla, t'inquiète pas. Allez, j'étais sûr. Non, Gotha est forcément. Non, bref. J'ai pas menti. Moi, je suis désolé, mais je comprends pas. Moi, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je comprends rien à ce qui se passe. Je clique. Ouais, j'ai un vrai truc. Mais putain! Attends, bah pourquoi? Attends. Mais c'est bugué ton truc, Lucas. Attends, pourquoi ils ont voté la nuit là? J'ai voté au place là. Mais on les voit là. Bravo ça, mais non. On en a. Attends, quoi? On en a des nuls dans ce village. Attends, mais il y a une autre nuit. Attends, quoi? C'est quoi ça là? Il se passe quoi? Attends, il y a un bug. Je crois qu'il y a un bug parce que j'étais chasseur et j'ai voté au pif dans la nuit du coup. Il y a eu un. Merci Crodon pour les 5 subs. Merci frérot. Merci mon pote. Moi je vous dis. Le montreur d'ours a bug. Apparemment. Remake. Il te check encore alors que t'es mort. Ça me rassure. Ok. Au lieu de. Ok, check Lucas du coup. Ouais. Au lieu de check Jill. Ouais, ok. Donc ça bug en gros. Quand tes voisins ils meurent, après il est truqué en fait. Comment ça met une impasse? Moi j'ai rien dit de toute la game là. À part sur Squeezie. Il a balancé une bombe au début aussi. Pour les mecs là, non? Il pas montrer Ardour, s'il est loup, il voulait accuser Lucas pour être tranquille. Oh, ça aurait été un coup de génie, mais. Ouais, venons, tu Gotha pour être sûr. Ok, du coup, ils vont retirer le rôle le temps de le fixe, mais ok, en fait, c'est juste, t'as capté quand il y a un voisin qui meurt, il arrive pas à prendre le gars d'après, en fait, apparemment. Mais oui! Mais en fait, les deux étaient innocents. Vous pouvez quand même finir la game, non? Vous pouvez quand même finir la game? Je crois que c'est, bah, c'est un peu tout niqué parce que Jill, elle est morte dans la nuit, elle a tué la sorcière, enfin c'est parti un peu en couille. En fait, vu que c'est dans le noir, bah, j'ai rien vu, j'ai cliqué au pif. Wow. Bon, Kenny, t'as fumé. Qu'est-ce que... Attends, okay. Il y a combien de morts là? Deux. Attends, il y a 4 morts dans la nuit, quoi. C'était la nuit la plus fatale, gros. Il y a eu 4 morts. Il y a eu des mecs immolés qui sont partis en fumée. Putain, personne veut remake. Capitaine, Gotha, ouais. j'ai rire, confiance en toi. Pourquoi ça te fait rire de brûler des gens? Ouais, Gotha, en vrai, c'est full safe. Hein. MV, faut que tu votes un capitaine. Gotha, MV, mais Gotha, vote Gotha, ou Gotha ou moi, Gotha ou moi. Doig, arrête. Ah, le corbeau. Ah, tu vas mettre le focus sur moi alors que je suis full safe. Arrête. Qui était le corbeau? Arrête. Kenny, je crois que j'étais full safe. Il a dit. Kenny, je crois que j'étais full safe. Mais non, mais il a dit ça, Kenny. Non, mais. Il a dit Gotha, il est full safe. Il me met deux votes au-dessus de la gueule, celui-là. Non, non, il est sur mes côtes. Il parle de moi, là, Gotha. Non, je parle de Kenny. Ouais, toi, je crois qu'il avait des votes sur moi. C'est vraiment ça que tu cherches, là, Leclerc. On est 12, ça veut dire dès que tu meurs au début, ta vie, elle est morose. Il a dit qu'il était full safe, frérot. Votez pour. Si je remeurs T1, je sais que vous êtes tous méchants ici. Donc votez pour Dogby. T'es mobile. Personne va suivre. Comment ça, la clé? Qu'on abrège. Bien sûr que t'es méchante. Absolument pas. Pour une fois. Mais fais pas genre. Bah, oh. Si on le tue la journée, il gagne encore. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ok, Leclerc, t'es bouffon. Je vais retirer mon vote sur Leclerc. Non, je vais pas taper Leclerc non plus. J'ai capté ce qu'il cherchait. Non, mais attends, t'as fait ça juste pour me traiter de bouffon? Quoi que non, Mika, t'avais l'air d'être bien content que les gens soient vus. Ok, fais gaffe à toi, frérot. Mobile, si bien. Je te jure, je suis gold en plus là. Je te tuerai pas, gros. Voilà, je suis gold. J'arrive. Les gars, Gotha, qu'est-ce qu'on fait, Gotha? Tête de nœud. Bah attends, c'était vraiment bouffon, du coup, faut trouver entre les trois. Dogby, lui, il était sûr de pas être bouffon. Du coup, il a dit qu'il était pas bouffon. Ah, je suis pas bouffon, hein. Je suis pas un bouffon, frère. Je le dis direct. Loup-garou, pyromane. Moi, je fais pas partie des méchants. Comment si le pyromane peut être encore en vie, genre? Moi, Gotha, je te le dis, désolé. Je pense que... Il y a quelqu'un de vilé ou pas? T'as dit quoi, Locke? Non, pas lui. Je pense que voter Dwag, c'est le vote safe. Je suis un bâtard, bah, genre, je suis un vote safe. Non, mais gros, genre, je te connais, il a dit il était full safe, mec. Pourquoi le vote safe? Non, mais Locke, si je te fais confiance, c'est que. Bah là on perd la game, mais là il va falloir que tu me fasses confiance là, Gotha. Il va falloir que tu me fasses confiance, parce que je te fais confiance, frérot. Salut Mika. Bah non, mais là il y en a un des deux là, Mika ou Magla. Mika il a rigolé quand il a dit Non, par contre, je suis désolé, mais vous avez pas entendu Mika au début. Il a rigolé quand il a dit, alors vous êtes huilé. Attends, voulez-je vous dise sur Magla? Magla, dès qu'elle se teste, c'est qu'elle a un rôle méchant. Mais je parle depuis tout à l'heure. Non mais t'es mort. Non, elle parle. Mais qu'est-ce que je parle depuis tout à l'heure? T'es sérieux avec mon gros micro là? Tête de nœud là. Fais-moi, rends-moi service, Dogby, rends-moi service et vote pour toi. Si tu veux, mais ça changera rien. Merci, mec. Merci, je t'aime. Mais. Gotha, on fait quoi? Parce que je sens l'arnaque, mais tellement fort. Il est où le timer? Gotha dans ta poche. Gotha, il est pas avec toi, il est montré Ardours. Il est où le timer, les gars? Je sais. Magla, mets ton vote, s'il te plaît. Sur Dogby. Il est où le timer? Si, je l'ai mis sur Mika. Il y a déjà.
Où c'est que je vois le timer? En bas. T'es sérieux, toi, de t'échapper avec moi? Ok, donc ça, c'est d'une, ok. Maintenant, je t'explique, Gotha. Maintenant, je t'explique, Gotha. T'as ton meilleur pote, c'est un bouffon. Ok. Excuse-moi, Mika. Hein, Magla, ça m'a... Et Magla, elle aime le feu, ok. Non, par contre, non, je peux vous promettre que ce qu'il a dit Mika au début, c'est 100% Pureman. Si c'est pas Locklear, si c'est pas Gotha et c'est pas moi, c'est 100% Mika. Écoute, ok, bah vas-y, on va voter pour Mika. On va te suivre, Magla, t'inquiète. Elle peut fumer quelqu'un? Greg. Ok, alors écoute-moi. Il y a écrit sur mon écran, tu es recouvert de gasoil. Au revoir, Magla. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Magla? Je te jure, Mika était vraiment très bizarre. Je te promets. Mika, de toute façon, dans tous les cas. Tu vas voir et après. Bah, au pire, vous me tuerez après. Ok, c'est Locke le pyromane. Mais comment tu veux que je sois pyromane si je me recouvre d'huile? Je peux me recouvrir d'huile? Mais moi aussi, je peux le dire. Bah non, tu peux pas le dire parce que. Attends. Vas-y, dis-moi qui a été recouverte. Vas-y, dis-le-moi. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton écran? Ouais, quoi d'autre? 4 petits points. Chè. Merci. Mais de toute façon, il fallait qu'il crève. Il fallait qu'il crève. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi t'as pas voté? Moi je voulais buter Magla, frérot. Mais j'ai voté contre Magla, t'as pas voté contre Magla. Mais putain, pourquoi tu m'as pas dit? Vous êtes brûlés. Vous êtes brûlés. Non. Merci Magla. Non mais sérieusement quoi? Quelle calculatrice! T'es morte! Ça brûle, ça brûle, ça brûle! Quelle calculatrice ambiante celle-là! Cramé! C'est pas grave, Leclerc, moi je sais que j'ai gagné la game, j'ai voté contre elle, je l'ai trouvé. Mais non, direct. Tu sais pas que t'as gagné la game! T'as gagné la game avec moi, dis-moi! Attends, le bouffon! Mais c'est toi qui as pas voté, gros! Fallait juste voter! Leclerc, t'avais juste à voter, t'avais juste à cliquer sur Magla pour te raconter ta vie! Pourquoi tu m'as pas gagné? Égalité, tout le monde est mort. Égalité, vous êtes tous morts en même temps. Je m'en fous, je suis quand même contente. Non, t'es pas contente, t'as pas gagné, frérotte. T'es morte. Je suis le grand gagnant de cette partie. Wouhou. Mort, on va tous brûler, hein. Ah, super, c'est lourd ce soir. Ah, moi j'ai vu gagner. Putain, Magla, t'as été d'une solidité. Leclerc, tu faisais une game parfaite, t'as cliqué sur Magla. Et c'était parfait. Mais dis-le-moi. Mais les amis, dire quoi en fait? Te dire quoi? On a fait go Magla, moi j'ai voté. Dis-le-moi, Charles. Ah, parce que t'as changé, t'as vraiment pensé que c'était Mika après la fin. Mais en plus, Locke, à un moment, je suis désolée, mais t'as écouté la férocité de Magla. Quand j'ai dit, au pire, on va en faire. J'avais déjà voté pour deux personnes, c'était sûr, vous êtes sûr. Kamel, on passe une bonne soirée tous les deux. Sérieux, franchement, je prends mon pied là. Locke, Magla a jamais essayé de te faire voter, elle pouvait pas être la bouffonne. Merci à toi, elle pouvait pas être la bouffonne, tu connais Magla. Elle était forcément pyromane, c'était pas pyromane. Quand tu me parles, rapproche-toi. Pourquoi le bouffon n'a pas gagné? Parce que si, il a gagné, mais la game continue. Il a gagné, mais il a fait le choix de buter Magla la nuit. Et du coup, Magla avait buté elle, Gotha et Locke, donc ils sont tous les trois morts en même temps, donc égalité. Mais bon, dans nos cœurs, vous-même, vous savez, Magla a gagné quoi. Question! C'est moi qui gagne du coup! Non, évidemment, t'as gagné en bouffon. En vrai, c'est le bouffon qui a gagné. Le montreur d'ours a été remplacé par Cupidon, le temps qui fixe le problème. J'adore Cupidon. Est-ce que le garde empêche la pyromania? Non. Alors, la pyromane ne peut pas être tuée par les loups-garous. Et c'est là où Doug et moi, on a été cons. C'est qu'en fait, elle n'avait pas été sauvée par la sorcière. C'est juste qu'elle est pyromane, en fait. Donc, elle peut pas être... Ok, question. Vous avez essayé de Nike le premier soir? Attends. Je te dis peut-être de la merde. Attends, Louis, confirme-moi. C'est l'assassin, ça. C'est l'assassin, ça. Ouais, c'est l'assassin. Excuse-moi. Ouais, ils connaissent mieux que moi. Et en plus, l'assassin, c'est écrit directement quand tu le votes. C'est l'assassin, pardon. Okay. Okay. Donc la sorcière, t'avais bien sauvé Magla. J'ai pas joué en deux games là. Putain, merci. Par contre, j'ai un truc à dire par rapport au pyromane. Vous pouvez pas brûler qu'une personne. Vous êtes obligé de faire deux à chaque fois. Donc vous pouvez pas tricher en mode j'en fais un et je fais genre c'est moi. Tu peux brûler toi et ne pas le dire. Donc, ce qui fait non, tu peux pas. Après le problème, j'ai essayé donc. Mais c'est qui a sauvé Kenny du coup? De gasoil toi. Personne m'a sauvé moi. Bah si, parce que moi j'ai brûlé et toi t'as pas brûlé alors que t'étais huilé. Mais peut-être le garde. Non, le garde, t'as pas défendu. En fait, j'ai cru que. Attends, du coup, Magla, tu l'as fait brûler, Kamel? Bah oui, moi j'ai cramé. Oui, mais non, je croyais que c'était les loups-garous qui avaient tenté de brain pour Magla, moi, de menteur. En fait, Kamel, j'ai voulu jeter visé. Le garde, les amis, le garde ne peut pas sauver une personne qui se fait immoler hein, par le pyromane. Il ne peut pas, il peut sauver que du loup-garou, je crois. Ok, du coup, c'est les loups qui m'ont tué. C'est moi qui jeté sur le chien. Le mec, il m'a fumé tout à l'heure comme il a retourné sur le. Merci, Doig, en tout cas, frérot. C'est désolé, ok, on relance une game. Oui, c'était obligé. Il y a Cupidon à la place de l'ours maintenant. N'oubliez pas, il y a deux joueurs qui vont être liés. Et franchement, bien joué. Une belle game de merde pour moi, Kamel, mais une belle game. Bien joué, les gars, continuez comme ça, c'est lourd. Égalité, c'est pas une belle game. Ah, yes, on peut remake. Magla, un petit Alt F4, on en a fait 14 000.
Bon, tain, c'est moi, c'est bien, je m'attends en jaune, c'est rouge. C'est bien ça, hein. Qui sait qu'on voit, les gars. Je parle pas beaucoup, j'essaie de comprendre. Gauche, non, ça faisait très longtemps que j'ai pas joué au loup-garou. Normal, et hein. Enfin, je suis loup-garou, je vais te grailler le cul, Squeezie, t'es mort. Mais c'est putain, frérot, j'ai fait que de crever ce soir. Hashtag best-of. Hashtag best-of. Ce sera un best-of, mais sans moi, mettez-le sur votre chaîne directement. Un best-of des morts, quoi. Un best-of où je suis dans aucune game. Bienvenue sur ma chaîne, je suis pas sur ma vidéo. Ah merde, c'était à moi de jouer. Putain, ouais, j'ai tellement rien l'habitude de mourir. C'est juste deux fois tour 1. Attends, du coup, c'est qui? Ça a rien fait? Ah merde. Mais ce n'est pas très grave, c'est la vie. Putain, désolé. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue dans mon monde. Il y aura pas de coup dans mon monde. En vrai, tant mieux. En vrai, tant mieux. Non, je vais le laisser en vie. Allez, pas des débuts. En vrai, tant mieux, ça va. Oh, t'es vraiment une âme charitable. C'est vraiment tant mieux. Je t'aurai tout autour d'eux, t'inquiète. Ok, bon. Charitable, mais pas trop de ouf non plus, quoi. C'est. Dictateur, fais-nous une belle dinguerie là. Fais-nous une belle dinguerie. Vas-y. Bon, alors. Qui c'est qu'on graille, les gars? Qui c'est qu'on graille? Arrête, hein, il est horrible, quoi. Il fait ça, il sème la zizanie. Squeezie? Allez, vas-y, parle trop lui. Si tu je parles trop, un, je sais. Arrête, qui ils vont voter pour moi pour faire croire que c'est toi, le loup-garou. Et voilà, c'est horrible. Ça va être très très bon. Ouais. Allez, je sais que je vais avoir de l'huile, c'est bon, je le sais. Ah, bah, mec, du coup, t'es obligé de faire t'es très sexy avec de l'huile. T'es très sexy, Kamel, avec de l'huile. Ah, Magla. De quoi? Tu peux pas faire une seule personne, c'est ça que tu disais? Non. Non, j'ai. C'est bizarre que tu poses cette question au moment où le pyromane joue. Au moment du pyromane, t'es sérieux, toi? Franchement, c'est bizarre, frérot. Tu veux savoir quelque chose? Faire le lien là, c'est. S'en aille. Par contre, tu peux allumer du gasoil sur une seule personne. Je sais pas si ça a un lien avec toi. M'en va pas. M'en va pas. Je suis recouvert de gasoil là. Donc. J'ai du gasoil aussi. Ouais, bah salut. Ça va? Ça sent bon, oui. Mais comment tu le sais? C'est marqué dans le chat. C'est marqué dans le chat. Non, non, mais c'est marqué quand on se réveille. Non, c'est marqué la nuit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, allez. Ouais. C'est ça. Putain. Calmos, quand même. Allez, okay. Tiens. Okay. C'est pas moi. Oh. Je vous jure que c'est pas moi. Ok, attends. J'ai le droit des derniers mots. La sorcière, t'es une grave idiote. Voilà. J'ai dit. J'ai hâte de voir cette game pour voir la gueule de cette sorcière mais de merde. Mais Locke, c'est non, j'ai hâte de voir. Allez, comme ça, silence. On peut commencer. Allez, c'est ça, la sorcière. MV. Bah, parce que c'est notre. Allez, MV. Aïe, putain, quel arnaque. Le pauvre était déjà le garou. J'ai hâte de voir. Incroyable. Après sinon on peut mettre Squeezie comme mère. Hein. Le pauvre il fait que de mourir depuis le début et tout. Ou toi Kamel. Non frérot, toi frérot. On peut changer, ça me va aussi. Ouais allez, mais tout le monde Squeezie, allez. Chez nous, donc c'est peut-être pas la meilleure idée. J'ai toujours cette influence, oui c'est moi messieurs. Votez tous, ça met le timer à 20 secondes au lieu de le laisser à 2 minutes. C'est moi qui ai une réputation d'influenceur, c'est incroyable, vas-y, je suis en plus. T'es un communiste. Frérot, moi je suis un influenceur, je suis pas un suceur. Bien joué, Kamel. Ouais, tout le monde m'écoute, c'est pour ça, tu vois. La voix de la raison. Bon. Choisis qui meurt aussi, hein. Vas-y, mon pote. Hein. Bah, ça sera toi, frérot. Allez, c'est bon. J'aimerais. Amuse-toi, gros. Mais non, mais ça me rend triste. S'il vous plaît. Oui. Oui. Ai-je l'autorisation de nommer un premier ministre? Ah. Il est mort. C'est toi le maire. Personne ne se dévoue, désolé. Oui. C'est vous, monsieur le maire. Hein, on peut m'expliquer ce que c'est au-dessus de ma tête, là? Voilà, toi. Ah, c'est le corbeau, non? Ouais. Hein, je nomme Kameto de la Kamecorp. Comme par hasard. Premier oui, merci, ministre. Merci, là, merci, monsieur. Ça me fait plaisir, c'est normal. Excusez-moi, il a beaucoup contribué à mon élection. Oh, arrête. C'est rendre l'appareil et avoir une race, tout simplement. Mais bien sûr. Merci mais beaucoup. Bien sûr, mais bien sûr. Bah, monsieur le maire, je propose qu'on écoute votre discours maintenant. Est-ce que je pourrais connaître l'orientation politique du maire, s'il vous plaît? Bon, j'ai une autre solution pour les pauvres. Ah. Alors, au lieu de les retirer des rues, très bien. On leur apporte chacun de quoi avoir chaud en hiver et aussi de la nourriture. Ah ouais, non, c'est honteux. Et wow. Et on gagne du temps là. Hein.
Et le temps s'écoule et je n'ai aucune preuve tangible contre l'un d'entre vous. Alors je vais, sous votre oreille vigilante, me mettre à écouter mon premier ministre dès maintenant. Oh. Alors, bonsoir à tous, messieurs et mesdames. J'ai pas le même micro que monsieur le maire, c'est pour ça que je suis premier ministre. Alors, Mika, comment ça va? Tout va bien. Mika? Ah, c'est Mika. Ah, Mika, pardon, excusez-moi. Ah, j'ai pas, ouais. Mika, ça va, tranquille? Ça va très bien. Joyka Libaba, comment ça va? Ça va très très bien. Ok, tout le monde a l'air de bien aller. Terra? Tu comprends ton rôle, Jordan, ou t'as besoin d'aide? Ça fait aller. Mon rôle, je le comprends. Le reste, pas de ouf, mais ça vient. Ok. C'est pour ça que je parle pas trop encore. Bon, ouais, ça va comment? T'inquiète. Gamer, t'inquiète. T'as jamais joué au Loup-Garou, Joyka? J'essaye d'animer un peu la journée, quoi. Mais ça va ou pas? Ouais, je vais très bien. Oh, le temps gagné, j'en peux plus. Non, attends, mais si sinon, Dwag va très bien, c'est qu'il a un rôle de méchant. Ouais, sinon, j'aimerais bien qu'on trouve Pyromane parce que je suis un peu humilié, quoi. Non, par pitié, finissez-en avec Kameto, là, s'il vous plaît. Vas-y, parle alors. Mais non, mais pourquoi? Non, me tuez pas, je suis innocent. Vous avez pas tombé dans ça. Vas-y, Magla. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe là? Je suis huilé, donc je rappelle juste, je vais crever, donc vous êtes mignon, mais. Ok, tu es Kenny, c'est bon, c'est un traître. Mais pourquoi? Traître au village, non, c'est bon. T'es mort. Désolé, Kenny, je veux juste te couvrir. Tu fais n'importe quoi. Attends, mais vous êtes tous les deux en dedans. Pas un problème, c'est pas un problème, t'es mort. Tiens. Attends, mais Kamel, t'es bizarre. Kamel, ouais, c'est Kenny, innocent. Quel charisme. Mais pourquoi? Il m'attaque. Mais j'étais non, en plein communiste. Non, 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 n'écoutez pas, il a pas de force, je vais mourir pour rien, je suis innocent. Tu es Dwagby, allez, tu sais quoi, tu es Dwagby, Kenny, c'est un bon. Tu es Dwag, regarde, tu vas voir c'est quoi la puissance politique. Tu es Dwag. Voilà, comme ça c'est réglé. Ok, désolé Kamel. Je protège mon président. En soi, t'as tué le... Le dictateur. Le dictateur. C'est un ouf. Lui, il a un pouvoir sur les décisions. Que Kenny à Kamel à Dwagby. On a tous suivi comme des merdes, incroyable. Enfin, sauf moi, car je suis président. Oui, bien sûr, monsieur le président, c'est pas grave. T'as éliminé la concurrence, c'est bien. T'es ouf, il veut m'attaquer moi. C'est un ouf, Dwag. Dwag. Mais bon, mourir, les loups-garous ne tenteront rien de mal. Putain, ils ont confiance en leur mère. Mais il y a eu un couple au hasard ou il n'y en a pas parce eu? Parce que le maire est un loup-garou. Tiens. C'est la nuit, s'il vous plaît. On dort, s'il vous plaît. T'as fait un mauvais call, Kamel, fais gaffe. Kamel, ça va être tendu pour toi le prochain jour. De toute façon, j'ai une défense. J'espère que t'es en train de préparer ta défense. J'ai une défense implacable, de toute façon. Ok. Ouais, c'est l'attaque. C'est qui va attaquer? C'est des ouf. Je suis recouvert de gasoil. Ah, bon, regardez-moi. Il y a quelqu'un. Salut, ça va? Je suis c'est sympa, le pyromane, il va tuer 8 personnes. Attends, en même temps. Attends, il y a Maglad, j'ai... Je suis huilé. Terra. Ouais, on est 3 pour l'instant. Ok. Attends, il y a qui? Maglad, Gilles, Terra qui sont huilés? Ça sent l'huile, moi aussi. Attends. Ça sent l'huile. Ah. Et MV, ok. Par contre, le pyromane, il peut faire un sale coup, là. Ouais. Coco, tu dis automatiquement zéro mot là depuis le début de la game, t'as quelque chose à dire? C'est le pyromane. Oh là là. Quoi? D'accord. Fais-moi plaisir, mec. Ah oui, Cupid. Non, fais-moi plaisir, Kenny, fais-moi plaisir et tire sur Jill, s'il te plaît. C'était un coup? Quoi? Fais-moi plaisir, mec. Juste. Merci, mec. Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as tué MV? Merci pour moi, je t'aime. J'ai cru avoir un instant. Au secours! Ah bah! Qu'est-ce qui se passe? Oh la gueule! Ah bah, du coup, t'as trop la game? Kenny. Tu cibles bien, hein? Bah. Par contre, faut vraiment. Attendez, ça veut dire que là. On est avec. Alors, je sais pas qui sont les sorcières. La sorcière m'a tué. Moi, mais on est dans la merde en fait, non? Alors, Maglad, je sais pas vous, mais moi pour l'instant, je m'en fous du loup-garou. Si on peut tuer le pyromane. Ouais, on peut trouver le pyromane si. Tu veux d'abord le pyromane. Gotha? Ouais. Tu dis pas l'enfant. Ouais, vas-y, t'as éliminé tout le monde, toi, c'est pas possible. Allez, allez, allez. Ça dégage, ça. Franchement, compter sur la sûreté, je pense. J'ai une théorie sur Gotha. Je pense qu'il est bouffon. Et qui veut attirer l'attention en disant zéro mot, contrairement à d'habitude. Ah. Donc ça nous laisse Joyka, Mika, Squeezie. Alors c'est pas moi vraiment. Tu t'envoies ma mais j'en sais rien. Alors Joyka, s'il te plaît. Attends, je mords des loups. Ou alors Squeezie essaye d'attirer l'attention actuellement. Qui Imolé, rappelez-moi. Jill, Magla, qui? Et moi. Et c'est tout, je crois.
Il y avait MV, mais il est mort. Il y avait MV, mais il est mort de quoi. Mika, mon frérot, de toujours. Je ne jette pas d'huile sur les gens. T'as quelque chose à me dire vite fait ou. Je parle plus. C'est ma strat. Je parle plus. Merde. Où t'as trouvé le mine déjà. Le pyro, c'est soit Mika, Squeezie ou j'ai juré, je parle plus. Je dis plus un mot, frère. C'est bon. À chaque fois que je parle, je meurs. Ah si, tu peux. Je parle plus. Mika, tu l'as trouvé où l'huile. Je. Mec, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'essence, j'ai pas d'huile. Ok. Moi là pour l'instant j'hésite juste entre Gotha et Joyka pour le pyromane. Joyka, pourquoi tu m'as regardé mal? De quoi? Joyka, de défense, je te regardais pas mal. Mais je te regardais pas mal, enfin je regardais personne. Tu me regardais parce que tu veux me jeter de l'huile après, c'est ça? Parce que je suis Jordan. Oui. Oui, président. Pourquoi tu Terra, Terra. Si on trouve le pyromane, on est en tant que le garou pendant la nuit, ok? Mon cher président. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu Jordan, parce que Gotaga parlait en même temps. Non, il faut déjà que je comprenne mes rôles et compte sur ma pureté, tu peux me faire confiance. Voilà, alors, j'ai pas de clean de défense. Non, mais est-ce qu'il utilise ça? Vous inquiétez pas, messieurs. Comment, Terra? Nouvelle stratégie. Je sens que c'est toi, c'est pas Gotha. Mais tu sens très mal alors, change de nom. Voilà. Bah, en même temps, y'a pas de gasoil dessus, mec. Hein, donc, Zip, je parle plus, on parle, je réponds pas. Sans. Vas-y, Mika, non, c'est grave. J'ai pas d'huile sur moi, j'ai pas d'huile sur moi, c'est sûr. Non, non, vraiment, je vous le dis, je n'ai pas d'huile sur moi, c'est sûr. Votez tous Mika, votez tous Mika. Non, mais je n'ai pas d'huile, je n'ai pas d'huile. Bah, justement. Bah oui. Et ça ne sert à rien de lancer un vote sur moi, Mika, ça changera pas les choses. Vas-y, votez. Eh, mais ça change les choses. Non, non, non. Non, mais vraiment, et comptez sur ma pensée. Votez Squeezie, président, dites quelque chose. Ouais, votez. Non, non, arrêtez, arrêtez. Grosse erreur, grosse erreur. Il est 100% avec Gotha et ils essayent de récupérer. Putain, putain. Oh merde. C'est Squeezie. Mais tiens, t'es pour ça, chiant. Sans ma pureté. Mais c'est pas moi. Je la note ta pureté, Joyka. Merci. Quelle pureté de m'avoir sauvé premier tour. Merci, Joyka. Putain. Après, t'es pas obligé de traquer cette allumette, tu sais. Tu peux sauver du monde. Tu sais, c'est pas grave. Il y aura forcément des innocents dans cette histoire. Tu sais, si t'essayes de cramer, de mettre de l'huile sur tout le monde et que tu crames tout le monde à la fin, ça sera trop fort. Hein. Tu peux juste mettre de l'huile sur tout le monde et pas brûler maintenant. Hein. Il y a loup-garou, faut vraiment tuer le pyromane. Ça revient au moins à ça, les gars. C'est Terra, je la retire. Bah non, mais en fait, c'est parce que vu que tu disais rien. C'est quoi la marque de céréales? Ça a l'air trop bon, oui, je sais, mais c'est que quand je t'ai parlé, tu m'as juste dit, c'est pas moi. C'est vrai, c'est vrai. On va mettre le feu, on va mourir. On est mort. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Oh. Oh. What? Oh, oh, merci, il nous a mis alors. Quoi? Il a mis le feu. Bah oui, en plus. Moi. Les amis, je vous annonce qu'on est tous recouverts de gasoil, je crois bien. Moi je le suis, Terra il est, Jill l'est, Gotha tu l'es? Il y a tout le monde qui l'est quoi. Je le suis pas, je le suis pas. Mais Mika, alors il y a un problème, il y a un menteur, il y a un menteur, il y a un menteur. Regardez-moi dans les yeux. Non, non, écoutez-moi, non, écoutez-moi, non. Écoutez-moi. Il y a forcément ça, Gotha, Mika, il y a l'un de vous deux qui est recouvert de gasoil. C'est Gotha, c'est obligé. C'est moi, je t'ai dit Lucas. Mais non, mais arrête, tu l'as dit non, genre non, moi en mode. Il y a un problème, c'est que c'est Gotha qui a dit d'abord qu'il était huilé et Lucas l'a dit ensuite. Donc il y a un des deux qui ment entre Gotha et Lucas. Bah non, alors je t'explique ce qui s'est passé. Il l'a dit, donc j'ai checké et je le suis aussi. C'est tout. J'avais pas checké pendant la nuit, je t'avoue. Par contre, Terra, on tu sais pourquoi j'avais pas checké? Parce que non, je tournais vite sur moi-même. Je respecte ta promesse, je dis que c'est Lucas qui a été huilé. Non, 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 il s'est passé quoi pendant la nuit, Terra là? T'as essayé de faire quoi là? Alors. Allô? Terra, t'es huilé? Terra, t'es huilé? Non, non, mais Terra, il est loup, mais c'est qui le deuxième du coup? Excellent. Attends, de quoi? Terra, il est loup. On cherche le loup là? J'essaie non, de, non, de on cherche le pyromane. Pyromane, c'est entre Squeezie et Mika. Qui est huilé? Pyromane, c'est entre Lucas et Mika. Et il reste un. Non, 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 je vous assure que je suis pas pyromane. J'adorerais l'aide parce que je serais à une nuit d'exploser la game. Mais non. Pas vrai, c'est pas lui le pyromane. Ou sinon, quelqu'un a mytho depuis le début. Mais le problème, c'est qu'on se fie au call de Magla qui a dit on peut pas huiler qu'une personne. Si elle a menti, on peut huiler une personne. Je sais pas comment faire. En fait, on peut peut-être. Je sais pas. Attends, attends, Magla. Magla, est-ce que t'as essayé d'huiler une personne et d'attendre la fin du timer? Non, j'ai pas essayé ça. Ok, voilà, allez, vas-y. Donc c'est faisable. Mais donc tu le sais, ça, Gotha, alors? Bah non, mais juste que je me dis qu'en fait, ce qu'elle a dit, en fait, c'est erroné en fait. C'est-à-dire que désolée, tu peux faire vraiment qu'une personne et te faire passer pour un mec immolé. J'ai essayé. Non, t'as essayé de te huiler. Enfin, j'ai essayé de me huiler, ouais, mais je suis con, j'aurais dû essayer d'attendre. Je les ai jamais eu, wesh. En tout cas, désolée, moi, sache que je t'ai fait une promesse et j'ai respecté cette promesse. Je peux pas. C'est qui le traître alors? C'est qui ton teammate? Je sais pas, je te le dis, j'ai respecté cette promesse. Qui a pas voté Squeezie là juste avant quand j'ai dit go Squeezie?
Mais hey, je te jure, tu fais vraiment une grossière erreur. Qui serait assez smart pour faire ça, Gotha? C'est toi ou... Quoi, pourquoi tu me regardes? Je pense moi, je suis innocent et moi, je suis innocent. Est-ce que tu t'en bats les couilles? Donc, t'es pas bouffon. Donc, t'es forcément un des méchants ou un survivant. Mais non, je veux juste... Attends, quoi? Méchant survivant. Excuse-moi. J'ai galéré à comprendre. Non, mais en fait les loups sont forcément immolés. Mais du coup, attends, en fait, faut choisir si on fait gagner le pyromane ou si on fait gagner les loups. Regarde-moi, Coco. Je ne suis pas un mec avec un briquet. Bon, il y a un qui brain parmi Jill, Terra, Magla. On est sur un jeu, mais RP. En tout cas. Je précise que vous êtes tous entre mafieux. Hein. Là, c'est la guerre des mafieux. Hein. Je rappelle. Hein. Merci. Gotha, je suis désolé, frère, mais je te trouve un peu louche, un peu trop sûr. Non, votez Squeezie, votez Squeezie, s'il vous plaît. Voilà, c'est Gotha. Cherchez pas. Votez Squeezie, faites pas avoir, s'il vous plaît. Mais vous êtes. Oh là là, mais j'en ai marre de jouer avec vous. Non, mais Gotha, t'étais le dernier village. Regarde, il reste plus que des truands maintenant. Mais non, mais pas. Mais Gotha, comment tu peux être si irrégulier dans ton comportement? Il peut pas me répondre, il est mort. J'ai perdu un frère ce soir. Mais non, mais c'est pas dans votre intérêt de me tuer. J'étais le pire merde. Ça y est, c'est une soirée où je suis nul. Oh, ça y est, c'est l'une de ces fameuses soirées où je suis vraiment très nul. T'étais un bon merde, t'inquiète. Mais t'es au courant que même si vous êtes tous des méchants, il y a qu'un groupe qui va gagner, les gars. Bah, là, les loups-garous, soit vous tuez le pyromane, soit vous avez perdu, c'est tout. Ouais. Alors, si c'est quoi, c'est dilatéral, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est huilé lui-même la tronche. Et pensez au fait que personne n'est mort la game d'avant. Je vous le dis ici, Magla et Pyromane. Mais non. Les loups-garous, pensez au fait que la game d'avant, la personne que vous avez choisie n'est pas morte. Oh putain. Parce que tout à l'heure, il restait que toi, hein, Mika. Et d'un coup, tu dis que c'est moi. Vous êtes teubés, loups-garous, je suis désolé, les frères. Quoi? Mais vous avez voté pour moi la nuit d'avant et je suis pas mort parce que je suis le putain de survivant. C'est évident, il y a que lui qui peut se protéger des loups-garous deux fois dans la game. Non, il y avait le garde aussi, mec. Lucas, il y avait le garde. Magla, t'es loup-garou, Magla. Non. Ah, mais le garde était mort, là. Ouais, mais global. Ok. Ouais, mais Magla, t'es loup-garou. Non, mais ça veut dire tour d'avant, c'était pas toi. Vous avez raison, attendez, on peut pas laisser gagner le pyromane, les gars. Qui qu'on soit là actuellement, on peut pas laisser gagner le pyromane. Jill, si t'étais pyromane, bien joué. Mais non, mais attends, je crois que le pyromane, il y en a une qui est vraiment... Mais regarde comment elle vient de rager quand elle met... Mika, Mika, c'est toi, je te déteste. Mais t'es sérieux, Terra? Mais t'es sérieux, Terra? Non, tout à l'heure, Mika... Mais vous êtes pyromane, Magla, t'es pyromane. Mais non. Magla, je dis que je savais pas qu'on pouvait faire qu'un vote, je te le jure. Je vous l'ai dit que je savais pas. C'est toi. Non. Non. Ok, c'est Jill. Non, je sais pas. Oh non, mais fais pas tout Jill, je crois en toi. Il y a le bouffon. Oh putain, je sais plus. Attendez, il y aura un problème avec les votes là. Si le pyromane, pour moi, c'est pas Terra parce qu'il l'a dit vraiment normalement d'être huilé. Il y a deux loups. On a été huilés ensemble de toute façon. Après, il y a eu qui? Mika, t'as été huilé ou pas? Pas du tout. J'ai été huilé là à cette nuit. Ouais. Tu l'as pas dit? Le couple est pas mort. Tu l'as pas dit? Si, je l'ai dit quand. Bah, je le dis là. Ah. C'était sûr. Terra! Quoi, oh, Terra? Bonjour à tous, je suis votre nouveau maire. Et je tiens à vous dire que vous êtes tous brûlés cette nuit. Allez, bisous les amis. Je l'ai cru! Qu'est-ce que c'est que ce je suis désolée, j'ai découvert qu'on pouvait en réalité. Et du coup, je me suis dit, on va peut-être rester. Elle me l'a juré! On m'a toujours dit, quand tu jures, tu peux pas mentir! Tu es naïf! Bien joué! Bien joué, la réaliste! Puisque Georges est tué par le vote. Oui. Oh non, égalité encore, merde. Ah oui, égalité, et on gagne ensemble, Jill. D'accord, je perds bien ensemble. Alors. Oui, allez, yes. Je m'en fous, j'ai encore gagné dans mon cœur. Oh là, yes. Deux rounds de suite, les gars. Vraiment quand. Deux rounds de suite, les gars. Ça fait mal, hein. Allez, bisous. Merci pour ce vote de merde, Scooby. J'ai juste une question. Comment Terra t'as pas capté que c'était pas Lucas? Parce qu'on a focus Lucas. Il est pas mort. Ouf. Coco, quand il s'est réveillé, il a dit tu m'as trahi, Terra. Donc forcément, Coco l'avait pas visé. Il s'était visé. Non, lui. Lucas était survivant. Pas du tout. Moi, je me suis juste dit j'ai visé Lucas. On est d'accord. Terra et Mika, vous avez essayé de me tuer. Non. Toujours buter Magla, les gars. Toujours buter Magla. Je suis désolé, en fait, j'ai découvert en pleine partie. Vous comprenez pas. Toujours buter Magla.
Après, arrêtez de me buter moi, buter Magla. Non mais gros, c'est un truc de ouf. Mais moi, en fait, le clear. Non mais Magla, je comprends pourquoi on te bute depuis tant d'épisodes. En fait, c'est vraiment que t'es trop dangereux. Le clear, on s'est fait bait par son premier call avant la game. En disant on est obligé de faire deux personnes. Oui, enfin après quand en fait, je vous moi j'ai juste suivi la règle de votre jeu en fait. Du coup c'était logique. Bah non, moi je savais qu'on pouvait attendre le timer. Reviens Locke. Et j'attendais d'être pyromane. J'attendais d'être pyromane pour le faire justement et jouer sur ça. Du coup bah elle a été pyromane deux fois quoi. Ah là là. Trois fois de suite quand même les mecs. Deux fois de suite. J'en étais sûr en plus les couples. Ah c'était qui était en couple d'ailleurs. Il y avait pas de couple je crois si. Je suis désolée Mika. Ah oui. Je sais pas. Désolé, je t'ai buté. Non mais sérieusement quoi. Arrêtez de vous désoler là. Vous nous ruinez nos games. C'est qu'en plus Magla, j'ai dit au moment où on a voté pour Lucas. Tu peux lancer Quitos, let's go. Dernière game avec zéro les gens. Sauf toi, je t'en mode. Putain, j'étais nul, je suis désolé Gotha, je suis désolé, je te promets de me ressaisir et de faire mieux. Je te promets de faire mieux. J'aimerais que les loups-garous là qui bait là vous. Coco, désolé de t'avoir fait en le jour, mais je suis avec tes gardes du coup. En vrai, les games pourraient s'arrêter là, je suis heureuse, c'est bon. J'ai mais c'est vrai que du coup, il y a ça, un ça, j'avais compris, mais c'est pas ça. Mais prends, du coup, c'est Squeezie, ouais, t'es un gentil qui vote pour moi. Enfin, j'ai pas compris ça. Lucas, ça n'a rien changé parce que je savais pas que le survivant il pouvait se protéger. Je croyais que juste il pouvait gagner dans tous les cas s'il survivait là. Et ma mère! Ouais, je sais, mais je pensais que c'était genre de non! 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 De nuit dans la game des loups. Fuck's sake! Ok. Mais désolé, j'ai pas eu qu'il y avait le garde, donc en fait, je vous ai insulté pour rien. Bonne chance. Pardonnez-moi. Et d'ailleurs, c'est de nuit quand tu veux, et après, tu l'as fait, c'est fini, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Dictateur. Oh putain, y'a trop des gros joueurs là, c'est terrible. C'est mort. Ah ouais, de fou. Magla, t'es passé dans les mailles, mais... Je suis désolé, je suis pas pyromane, hein, vous savez là. Hein. Je parle plus, je parle plus. J'avais dit que je parlais pas. Non, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas bientôt mourir, crois-moi. Non, mais je sais que j'ai vécu mes meilleurs games là, c'est comment fini. On déjà on va te fumer. Ouais, franchement, j'espère que tu vas me fumer parce que le feu. Je suis désolée de t'avoir menti. Par contre, c'était pyromane. Ah ouais, waouh. Je suis désolée, c'était pour le jeu, tu sais, enfin. Fallait que je vive. Franchement, je veux bien être président, je pense que j'ai les qualités requises. Ah merde. Ok, pour toi, okay. Moi, wow. Je vote pour toi, vas-y. Merci. C'est un call comme ça, après, vous faites pas. Mais... je pense que je saurais redresser ce village. Ça a marché ou pas? Wow. Troisième étoile. Avec ma pureté. Comment on fait déjà si quelqu'un peut. Ok. Dire. Ça me fume, moi. Merci pour les 4 mois, frérot. Voilà, c'est tout. Ce sera peut-être votre première élection, je crois bien. Peut-être, ou ma première mort. Ou peut-être l'une puis l'autre. Oh. C'est la merde, il est dictateur, c'est... Mais pas mort tout de suite, ce serait pas ouf. Les dictateurs, c'est vraiment... C'est... c'est... Le fameux... Pyromane de merde, je te déteste. Qui que tu sois, sache que je te déteste. Incroyable ce rôle. Il est trop bien ce rôle, je l'aime trop. Je crois que c'est mon rôle préféré. Hein. Oui, bah c'est si j'avais pas été mère, t'aurais gagné la game. C'est normal, tiens, c'est ton rôle préféré. Bah tiens, oui. Tiens, je dis ça, je suis recouvert de gasoil, mais je vais te niquer toi dans la game, toi. je vais te niquer. 100% le coup. Tiens. Tout le monde s'amuse. Quoi? Chito, s'il te plaît, tu regardes. Je le vis pas très bien. Oh, mais. Bon. Bah, dommage. Je tiens à dire que je participe au bain de gasoil. Putain, merci, la sorcière, t'es vraiment une salope. Mika, t'es dans le gasoil. Ça va protéger. Mais pourquoi ça va. Elle garde. Elle garde, pourquoi c'est pas protégé. Je patauge. Putain, ça sent le cramé à gauche là. Putain. Ah non, c'est que la sorcière l'a tué avec la potion. Désolé. Bon, on fume quoi. Attends. On fait deux games hein. Vas-y, on met Jordan maire et on écoute le maire. Ok, très c'est bien. C'est sa première élection, j'aimerais tous qu'on applaudisse quand l'uniforme lui revient, s'il vous plaît. C'est de nous, Jordan. Quand l'uniforme lui revient. Il n'y a pas d'uniforme. Moi, j'applaudissais pas pour ça. Big trouble. J'entends une petite insulte. Est-ce que tout le monde peut voter? Comme ça débloque le timer. Excusez-moi de me répéter. Par pitié. S'il vous plaît. De grâce, Jureka. Ah, c'est bon. Je vous en prie. Ok, c'est bon. Vous voyez, comme je suis pur, je vote même pas pour moi. Donc faites pas confiance. Tu en fais un peu trop attention, je suis à deux doigts de voter MV. Mais t'as voté pour toi. Bah oui. Oui, c'est fait, mais j'étais obligé pour que le timer aille plus vite. Oui, pas nous. Je vais pas parler. Oh bah. pas un mot, on va voir si la strat marche. Promets. Ok, merci. Merci en tout cas. Bah, je suis très content d'arriver dans ce village.
Il y a quelques mesures qui vont être prises, c'est radical. Quelle ambiance ! Incroyable ! Merci beaucoup, ça me fait beaucoup de bien déjà. Je peux le dire, parce que depuis le début, je galère. Mais du coup, ce sera l'eau claire pour moi. Et je vous invite à tout faire la même chose. J'aime pas ce mec, je l'adore, il est vraiment très bien. Il a vu les bottes du corbeau, il a fait confiance au corbeau. Let's go. Corbeau, nuit-moi. Ok. Écoute-moi bien, Jaka. Oui. Tu fais ça. Oui. Tu seras la plus grosse tête de nœud que je connaisse. Franchement, ça va, je m'attendais à pire. Ça fait 2 ans que j'entends qu'il tête de nœud sur Squeezie. Ouais, je suis tête de nœud depuis déjà 2 ans de live. C'est pas bon. Bon, du coup, c'est bien confirmé pour l'eau claire de mon côté. Il manque. Ce maire est solide et j'aime beaucoup les décisions. Quoi ? Mais attends, mais. Je te bute ! Merci beaucoup d'ailleurs. Merci. Mon vote vaut plus que vous ! Mon vote vaut beaucoup plus que vous, les gars ! Ah, il s'est. Vous pouvez faire confiance à mon call. Il s'est suicidé. Il se défend mal. Il se défend mal. Je respecte l'autorité. Il est coupable. Quand je vais te mettre des tartes dans la gueule. Il est coupable, je le sens. Bon, là, moi, je pense que c'était bien, non ? Mais t'as vu, je t'avais dit que t'allais être tête de nœud. Oh là, il a gagné. Ah ouais, tout. Mais en fait. Gagné en train de parler pendant des années, putain. Le meilleur bouffon de la planète. Ouais, toi, t'es le plus beau bouffon du monde, toi, c'est un truc de ouf. Tais-toi. Je te tranche premier tour. Non, pitié. Si. Locke, je t'en supplie. Je m'attendais pas à ça. Pas ta tête de nœud préférée. Pas ta tête de nœud préférée. Parle pas. Il va en parler 4 ans et demi ce truc là. Premier tour, tête de nœud. Il a même pas eu besoin de faire quelque chose. Je te jure. Si. C'était juste. J'ai pas été un super maire, je suis désolé, je m'excuse de village. Bien joué. Peut-être trop pur. Pardon, les erreurs arrivent. T'as fait gagner quelqu'un après tout. Ouais, mais voilà, c'est pour ça, je suis trop pur, je fais gagner les gens, c'est un problème. A plus la team. C'est bien amusé cette game. Tu peux faire gagner. D'autres gens que le pyromane. Mais c'est bon. J'ai revu ma ligne directrice de comment je gère tout ça. Question, je peux tuer. Bonne soirée, la team. Je peux tuer un mec chaque tour. Non, don't do it. Non c'est, peux... là tu vas pouvoir tuer quelqu'un en gros de ceux qui t'ont voté. Un seul. Merci la team, ouais. Mais je sais que c'est la fin. Magla, je tente une game. Magla, je tu veux pas. C'est pas moi qui t'ai tué, hein. Mika. Ouais, mais t'as voté. C'était un plaisir, mais j'ai je t'apprécie là, tu sais. Hein mais je t'aimais, Mika, je t'aimais de tout mon cœur, t'étais vraiment le meilleur des voisins. Enlève tout objet, briquet, bougie. Mais c'est pas moi, Mika, mais j'ai vu quelqu'un avec une allumette dans le noir là. Genre, c'est compliqué. Peut-être qu'il cherchait sa route, mec, t'approches, j'espère de lui. J'espère. Ah, personne n'a été. Oh mon dieu. Ok. Madame Loup-Garou. Écoutez-moi. Très sincèrement, écoutez-moi. Juste à ma droite, votez Dwagby et pourquoi ? Pardon. Votez Dwagby, on finit la game, on finit la game maintenant. Super. Voilà. Bah regarde où tu toi maintenant. Votez tous Dwagby maintenant, comme ça on termine la game, parce que je vous le dis, la seule personne qui a réagi, que ça a fait marrer, d'avoir Squeezie et Mikalo à ma gauche huilé, c'était lui. Il était en mode, oh bah ça sent l'essence à ma gauche. Dis donc. Dis donc. Ah oui, t'as un rôle de merde. Pas joué, t'as fait 2 heures que j'ai pas joué. Bah super, normal, t'as vu des bottes. Bah moi j'ai envie d'avoir des bottes au-dessus de la tête de Dogby. Okay. Je croyais quand je mourrais la nuit, je pouvais pas tirer. Ah non, on est plus que. Tu peux tirer. Je peux même plus jouer. Non, je te fais confiance de grâce. La fois que t'as fait ça déjà, c'était mauvais. Ouais, la game a fait l'opération. Sauf qu'en fait, moi j'apprends. J'ai beaucoup appris dans les premières parties et dans cette partie, nous allons gagner. Village. J'ai eu une réaction tout à l'heure en disant ça sent le cramer pour essayer de soutenir un peu les deux mecs qui disaient qu'ils étaient. En feu, qui fait que là tu veux un focus absolu sur moi, c'est ça? Exactement, il y a ça. Et je veux que tout le monde soit au courant de peu de preuves que t'avais entre les mains. Du peu de preuves que j'ai, oui. Belle défense en vrai. Pour montrer aucune animosité envers qui il m'est tué à tort dans une vie antérieure, je vote pour Dwagby, bien sûr. Tu fais avoir, hein. Terra, aide-moi là. Non, disons que j'essaie de rattraper mon karma. Allez, Terra, t'as été mon premier
Premier vote. Électeur. Ouais, mais écoute, ce que tu te dis. En vrai, la défense de Dwagby, elle tient parce que c'était pas trop de sa faute. Il a juste dit un truc comme ça. Genre, vraiment, yo, gros. Ouais, mais j'ai confiance. Je suis assez d'accord, ça peut être sorti comme ça. Oh, merci, merci. Mais regardez juste le déroulé de la soirée. Rien que là, normalement, il y a un nouveau serveur d'office. D'accord. Juste que t'as pas d'idée de Terra et du coup, tu veux suivre. Non, je pense que Kenny, il a un rôle qui fait qu'il sait un peu quitter et qu'il essaie de nous le dire de manière gentille. Par contre, Kenny, si Dwagby est innocent, ça va être tendu. Écoutez, moi je vote pour Terracide afin que, que le maire puisse décider entre Dwagby et Kenny. Je me dédouane totalement de. Alors, ça, c'est, non, alors, ça, c'est un très beau geste. MV, MV. J'aurais pas voté. J'écoute le peuple. Oui, mais si je retire mon vote. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, je retire le mien, j'écoute le peuple. Rendez-vous Zap, les gars, on vous donne rendez-vous Zap, Astrub. Ouais, c'est clair, c'est toi le maire en fait. Un bon président ne prend pas ce choix. Seul, enfin. Je vais te laisser faire ce choix, écoute, décidez d'être maire. Franchement, si ça va entre les mains de Joyka, ça me va. Ça m'explose. C'est une situation similaire et Kenny nous a tous... Bah justement, je vais prendre l'inverse de mon call, c'est-à-dire je vais prendre Kenny du coup. Non, non, je suis pas d'accord, je vote pour Dwagby du coup. En vrai, c'est votre choix, je suis prêt à faire des l'égalité. Il y en a qui vont cliquer partout aux dernières secondes. Je vais faire un bisou à Bebou pour me remettre bien. Ouais, mais du coup là, j'ai voté Kenny, j'ai voté Kenny. Son truc. Solide défense. Non mais sur la réalité, tu vas pas voter toi. Solide défense en tout cas. Oh là là, j'avais pas voté. Kenny, je suis désolé. La voyante. Putain, alors mon call était bête. C'était tellement obvious en plus. Putain, c'était tellement obvious. Je vous l'avais dit. Il a mis ça sous le prétexte du c'est le seul qui a réagi sur l'essence, mais c'est juste qu'il est voyant. Oui, j'ai pas le droit de dire. J'avais cramé, j'avais aucune défense. Moi perso, je connais le titre du prochain best-of, le pire maire de la planète Terre. Ouais, c'est ça. Ça va les gars. Ouais, c'était une première élection et j'ai pas été mieux la game d'avant quand j'étais maire, donc attention. Non mais écoutez, ça me va très bien. Je vais foutre le somme à Kenny. Pour l'instant ça va. Il y a des maires qui font des erreurs. Je veux pas mourir. Ou alors il est juste pyromane et en fait c'est pour ça non, que... Non, bizarrement je suis recouvert de gasoil donc... Ah, très peu pyromane alors. Ouais mais par contre très huilé. Apparemment. Apparemment. Tu t'es bien def. Si c'est la bonne, je me porterai pas, je vous promets, village. Oh, ah oh yes, GG, victoire du village, let's go, yes. Dwag, tu as survécu longtemps, je suis fier de toi, ne t'inquiète, le pyromane est en toi. Joyka, sache que t'es le pire joueur, Joyka. Voilà. Je peux rester dessus. J'aimerais remercier les développeurs qui ont rajouté un rôle comme le bouffon pour des mecs comme moi qui se font tuer tout le temps les premiers tours. Donc merci les développeurs. S'ils peuvent en rajouter un deuxième, ce serait lourd. Joyka, t'étais. Attends, je suis pas n'importe quel bouffon parce que je te tranche un loup-garou, frérot. Oui. Non, c'est vrai. Tous les chats seront d'accord pour dire. C'est vrai que c'est un bouffon utile. T'as été l'un des plus beaux bouffons de ces jeudis soirs, mec, vraiment. Le meilleur bouffon. Ah oui, t'es le meilleur. Le bouffon. C'est bon, les gars, c'est bon. Merci. T'es un beau gros bouffon. Les amis, c'est le moment d'introduire. C'est le moment d'introduire des nouveaux rôles dans cette game. Enfin, des nouveaux rôles. Si, il y a le chasseur de vampires qui est nouveau. Le reste, vous connaissez déjà, mais je récapitule quand même. Dans cette game, nous aurons donc deux villageois, un chasseur qui, je rappelle, peut emporter quelqu'un avec lui dans la mort quand il se fait buter. Une voyante, vous connaissez, la sorcière, vous connaissez. Quoi ? Quoi ? Interrompez-moi. Okay. Les cas pour les chasseurs. Ah, ok. Ouais. Putain, désolé. La voyante, du coup, la sorcière, il y aura un garde, il y aura un dictateur, il y aura un faucheur. Dois-je rappeler ce que c'est que le faucheur ? Il gagne avec le village. Si les loups-garous le tuent pendant la nuit, il a le droit de tuer l'un des loups-garous qu'il a tué en pleine nuit. Ah, okay. Mais en revanche, s'il meurt lors du vote du village, c'est ses deux voisins. Oula, pardon, il y a eu un. Deux voisins qui meurent avec lui. 8 sur 10. Ah, excusez-moi, Louis m'explique. Louis, alors je récapitule, c'est que le faucheur, tu gagnes avec le village. Si le loup-garou il tue la nuit, bah t'as le droit de tuer un loup-garou en retour. En revanche, si tu meurs lors du vote du village, tes voisins de gauche et de droite meurent avec toi. Waouh, okay. C'est faucheur ça. Trop bien, mais ça, j'adore ça. C'est trop bien, c'est tellement bien que Louis a fait une erreur et qu'il n'est pas dans cette game puisqu'un loup-garou le remplace. Mais il reviendra dans la soirée. Voilà, ça fait du teasing. Putain, c'est grave lourd comme rôle. Magla nous a quitté. Je peux pas jouer, je suis désolé, ça m'intéresse pas. Non, je peux pas jouer. Non, bah non.
Il y a deux nouveaux rôles dans la game. Donc il y a aussi le survivant qui est là, vous connaissez, et il y a le vampire et le chasseur de vampires. Wow. Les embrouilles. Ah oh là là. Là. Ah, alors, attends, c'est quoi le vampire, c'est quoi, attends. Non, mais fallait lire le doc, les gars. Je vous explique. Mais il doit expliquer pour le best of. Ah oui, c'est vrai. Non, mais juste pour que tout le monde, pour que le chat sache en fait aussi. Qu'est-ce qu'un vampire ? Un vampire ? Alors, chaque nuit, tu te réunis avec tes compères pour décider d'une victime à transformer en vampire. Donc, plus la game, plus le temps passe, plus il y a de vampires du coup. Lorsqu'une transformation a lieu, tous les vampires doivent se reposer la nuit suivante. Ok ? Donc, ils peuvent jouer qu'une nuit sur deux. Vous avez capté ? Ok. Okay. Ah, donc, un joueur. Il est voyant, il va pouvoir voir une personne une nuit sur deux, quoi. C'est ça l'idée ? Non, tu deviens. Non, c'est que tu peux pas ramener un autre vampire. Ah, tu perds ton rôle ? Ouais, oui, tu perds ton rôle et tu deviens vampire, ouais. Un joueur transformé perd tous les pouvoirs liés à son ancien rôle et gagne avec les vampires. Voilà, donc c'est comme si en gros, les loups-garous, une nuit sur deux, ils faisaient en sorte qu'un gars devienne loup-garou. Il n'y a qu'un seul vampire qui peut croquer ou tous les vampires peuvent croquer ? Tous les vampires. Ah non, je pense que c'est un seul qui est élu par nuit. Ouais. Okay. Si c'est exponentiel, c'est OP. Le maître vampire. On est loup-garou, quoi. C'est un vote. D'accord. Ok. Les vampires ne peuvent pas transformer un joueur qui est protégé par un garde. Ils ne peuvent pas transformer un survivant qui se protège. Ils ne peuvent pas non plus transformer l'assassin et le chasseur de vampires. Là, et il y a un assassin dans cette game. D'accord. Donc retenez bien ça. Oh, putain. Okay. Un vampire, ne peut, un vampire ne peut pas transformer, je répète, un garde, un survivant, un assassin ou un chasseur de vampires. Et s'ils prennent pour cible le chasseur de vampires, c'est le vampire le plus jeune qui sera tué par le chasseur de vampires. Ok, donc celui qui a été élu le plus récemment. Je reviens donc à l'explication du chasseur de vampires. Il gagne avec le village. Chaque nuit, il peut traquer un joueur pour découvrir si c'est un vampire. Si c'est le cas, il le tue dans son sommeil. Et en revanche, si c'est pas le cas, il se passe rien. Et si les vampires te prennent pour cible, tu seras immunisé contre leur attaque. Et en plus, tu butes le plus jeune d'entre eux. Oh, piche. Donc l'idée quand t'es chasseur de vampires, c'est vraiment quand les vampires votent pour toi, quoi. Okay. Putain, c'est de la bombe, go. Attends, il y a les loups-garous et les vampires ? Non, il y a que les vampires. Sinon d'accord, c'est... sinon tu refaisais Twilight. Ah, ouais, oui, sinon il y a zéro chance de survie des... Team Jacob. Bah, il y en a pas, je suis désolé. Qui veut être Bella par ici, là ? Est-ce que tu... Et il y a aussi, donc, du coup, un assassin. Je rappelle vite fait ce qu'est l'assassin. C'est assez tricky. En vrai, lui, il va se faire oublier, puis il va nous règle, vous allez voir. C'est, il gagne seul. Chaque nuit, il peut choisir un joueur à éliminer. Et il ne craint pas l'attaque des loups, du pyromane et des vampires. Et des vampires. N'oubliez pas, le vampire ne peut pas tuer l'assassin. Oh, okay. C'est qui ça ? Donc, va être arme. Donc ça devient chaud. Et on a aussi le retour dans cette game du rôle très convoité de l'ange. L'ange, ouais. Ah l'ange ouais, c'est trop bien on ça. Vote pas pour Locke. C'est bon, si je suis ange et qu'il y a Locke. Qu'est-ce que c'est l'ange ? C'est bon, t'inquiète pas, c'est les vampires. Alors, qui vont me grailler. L'ange, si tu te fais l'ange éliminer, est la partie de Locke-Léa. Si t'es éliminé lors du premier vote de jour du village, le tout premier uniquement, tu gagnes, c'est fin de la game et tu la gagnes. Voilà. Voilà. Je vous bute. D'accord. Et sinon, et si personne vote pour toi, tu deviens un villageois. Tout simplement. À savoir celui qui gagne en ange devient un rôle de merde. Ouais, personne n'a jamais gagné en ange. Locklear, si t'avais été ange la game d'avant, t'aurais été le boss en fait, tout simplement. Ouais, mais ça aurait été. J'ai gagné en bouffon, mec, je m'en fous. Je vous reliste donc villageois, chasseur, voyante, sorcière, garde, dictateur, ange, survivant, chasseur de vampire, assassin. Ok, très bien. Ça va être tricky. Donc, vampire, c'est un tour sur deux. Et la game, vampire, là, c'est bien cette méca des vampires là. Putain, je suis curieux de voir ce que ça donne. C'est vachement bien, c'est vachement bien. Qui c'est qui a toutes ces idées, dis-moi, hashtag ad. Il s'agit de, bien évidemment de Cheetos et de Léo Melki, tous les deux, ensemble. Bravo, est-ce qu'on peut avoir des applaudissements pour eux, s'il vous plaît ? Évidemment. Ils sont oubliés dans le placard. On est deux à avoir applaudi. Voilà, je suis le dernier, désolé. Ah non, il y a deux villageois quand même. Mais voilà, plus sa mère. Il y a des vampires, des chasseurs de vampires, des dragons, des anges, okay, des assassins. Oh, Zabie. Bravo. Il est 22h13, mais dans le jeu il est 20h13. On est RP. Le dictateur, fais-nous une dinguerie et tue le vampire instant, s'il te plaît. Fais-nous une dinguerie. L'assassin ne contrôle plus ses pulsions. Je vais faire des tags. Je me titille. Mika qui rigole, comme par hasard. Ah oui, ok, le chasseur de vampire la nuit peut aussi buter un. Quand est-ce qu'il ne rigole pas ? Un vampire. Merci, Mag, heureusement que t'es là pour me soutenir. J'attends l'appareil, t'inquiète.
T'es mort, transforme-moi en vampire, frère. Transforme-moi en vampire. Voilà, transforme-moi en vampire. J'en ai marre des chasseurs. Transforme-moi en vampire. Transforme-moi. Oh, oh, oh. Attends. Incroyable. Alors... Pardon, c'est possible. Attends, attends, attends. Je vous demande pardon. Il y aura pas de vampire. Pire vampire ever, mec. Non, 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 attends, attends, attends. Il s'est passé quoi là? Bah alors, Edouard, on est mort? Attendez, j'ai une question, j'ai une question. Tim Edouard! Il a quand même pu. Ah, quelqu'un s'est fait transformer. Ouais, il y a un vampire. Ouais, je pense. Ouais, il y a un vampire. Je suis pas sûr, hein. Si, si, il y a un vampire. Non, attends, non. Oui, il y a un vampire, mais du coup, il est mort, lui, du chasseur de vampires, je pense. Je pense que le chasseur de vampires. Oui, c'est le chasseur de vampires qui est. Oui, c'est ça. Ah non, ou la sorcière. Non, mais je pense qu'il reste un vampire. Assassin, c'est l'assassin. Ou l'assassin. C'est l'assassin, c'est écrit. Ou l'assassin qui a un master cucklord. Quelqu'un s'est transformé en vampire. C'est trop facile de me tuer en premier. Du coup, il y a. Attendez, du coup, il y a quand même un vampire. Pour moi, il y a un vampire là encore. Ouais. Oui, ah, okay. Un vampire plus l'assassin là. Louis, il reste un vampire et il a eu le temps d'infecter un gars. Et le Louis me dit que s'il y a marqué purifié quand c'est le chasseur de vampire qui a tué le vampire. Ah, okay. Il y a marqué ah, purifié. Okay. C'est pas là où Lucas. C'est important de savoir. Non, j'aurais pas. Gratos, complètement gratos, ton accusation. Vraiment, gratuité la plus totale. Tu veux que je vois ton c'est très gratuit. C'est vraiment gratos. Ça le fait, reste en froid. Je suis sûr, c'est Magla ou Lucas. Ah, mais attends, là, on cherche pour le maire, non? Bah là ouais, c'est le maire, ouais. En fait, ouais, vas-y. Je vous en prie, je veux bien. Mais arrête, mais man, arrête de craquer, frère. J'ai déjà fait un début de soirée horrible. Et toi, tu as envie d'être au hasard là. Vas-y, pourquoi pas, franchement. Ah, ok, les gars, votez Dwagby, ça fait des siècles qu'on l'a pas vu maire, les gars. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Des siècles. C'est un truc de ouf. Allez. Ça me va. Comme d'habitude, je pense que le mieux si jamais, degrés, si jamais c'est les stats, la dernière fois qu'il a été maire, il a gagné la game en assassin. Voilà, c'est le stats. C'est vrai. Après, on peut le mettre maire et le tuer derrière. Ça, toi, t'es vraiment non, je vais être maire par Squeezie, pas par les votes. C'est pas vrai. Pareil. Donc, merci. Bah là, t'es un peu maire par Kamel. Pas de soucis, y'a pas de soucis, donc y'a pas de problème. Je veux pas être Premier ministre, je te jure. Je rigole, je rigole. Ok, gratuit. Trop cool, enchanté tout le monde. Ça va faire du bien de m'occuper de ce village pour une fois. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde apprécie oui, cet instant. Va, merci. Alors par oui. contre, il faut rester chez soi, c'est le confinement, donc je sais pas ce que vous foutez dehors. Bah, on a un mètre de distance. C'est notre jardin, frère. C'est notre jardin, on vit tous ensemble. S'il te plaît. Écoute, je suis juste, j'ai mon autorisation, si je peux te la montrer, elle est dans ma poche. Pareil. Ouais. Là, tu vas au travail, là. T'as voté ouais, pour ça. Toi, là, Jordan. Ouais, mais c'est juste pour montrer ma bonne foi, justement. Voilà, je mets... Non, mais c'est quoi, c'est YouTube? C'est un travail, ça, YouTube? Allez pas, allez pas. Ouais, ça peut, de temps en temps. Ok. Selon les concepts. J'ai envie. Jill, comment ça va? Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Bah oui, ça va, moi. Non, mais dans la vie, je parle pas de la game. Hein. Ah, bah ça va. Aussi, okay. Pareil. Ok, c'est Gotha. Quoi? C'est quoi? Ouah, il est trop chaud. Alors, je suis désolé, mais Mika, il a été ultra bizarre dès le début de la game. Pourquoi? Ah, parce qu'il m'a pas fait direct. Ouais, mais c'est peut-être parce qu'il est ange, donc faut pas ouais, tomber ouais, dans le piège. Non. Non, je n'ai pas d'aile. Mais ouais. Magla, je suis sûr, le clear il l'aurait voté. Pour la même mais... en vrai, il a un peu raison. Le clear en vrai, il aurait voté. Non, Magla, le clear me déteste. Rappelez-vous ça, le clear il me déteste jamais. Magla, moi ou toi, Bim, tu vois, je te dis. On tue personne ce tour-ci parce qu'il y a l'ange, comme ça on nique l'ange. Non, mais non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Non, réfléchissez, Leclerc jamais il aurait voté pour moi, c'est débile. Tu mérites de mourir, tu mérites de mourir. C'est vrai que ça, c'est franchement. Non, mais toi, c'est débile, au dernier moment, l'ange il va voter pour lui, il va gagner. Non, l'ange il va voter pour lui, il va gagner. C'est Jill l'ange. Par contre, retirez ce vote, c'est l'ange. Ça veut dire que t'es l'ange. C'est l'ange. Quoi? Ah non, c'est Jill. C'est Jill. En tout cas, c'est l'ange, c'est ça. Ah oui, pardon, c'est Jill qui a fait le call de. Vous pouvez retirer le vote, s'il vous plaît, là. Il y a trop peu de méchants. Pardon, excusez-moi. On est quasiment tous des gentils. Vous voulez refaire le truc du tour? Oh là, vraiment? Non, t'inquiète, Magla. Non, mais... Ouais, c'est ça, mon cul. L'Enclair, il aurait jamais voté pour moi. Au pire. Au pire, moi j'ai une idée. Dégage. J'ai une idée, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On tue le maire, comme ça c'est réglé, on est sûr qu'on non, pas toi, non, en vrai c'est dégueulasse. Voilà, c'est réglé, voilà, comme ça c'est réglé. Non, les gars, vraiment, ça serait pas pire. Non, mais le Dwag, il arrête pas de crever chaque tour, je trouve ça dégueulasse. Oui, ah, quoi? Pause. Pardon? À chaque fois qu'il crève, il est méchant. À chaque fois qu'il crève, il est méchant dans les tours. Non, mais du coup, les stats fait qu'il va être. Non, vraiment. En plus, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai. Mais c'est moi qui fais que de mourir depuis le début, c'est pas Dwag, wesh. On te vote, t'es ange, tu cherches la merde. Mais je te jure, il cherche la merde, Kamel, par contre. Mais vraiment, non, mais... Eh, je suis mort T1, je suis mort T1 depuis non, le début de la soirée. Non, c'est pas tout le temps tour 1, je trouve pas ça cool. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est moi qui meurs tout le temps T1, c'est pas Dwag, hein. Attends, écoutez MP, écoutez, je vous demande d'arrêter de hurler, et oui. Je vous propose
qu'on se recueille tous 10 secondes afin de respecter la mort de Dwagby imminente. C'est incroyable. Ah ouais, non, ça serait pas. T'as cru que j'allais te mettre mère comme ça ? Allez, casse-toi de là. Oh, oh non! Ah merde, oh non! Oh non! Vous êtes honteux! Vraiment méchant! Vous êtes honteux, sérieux, vous êtes honteux! Non, mec, je suis la seule à te porter pendu, t'aurais pu me voter mère! Non, j'avoue que j'ai mis ce clic sur Kamel. Merci, frérot. Hein. Je l'ai mis mère, je l'ai tué, il m'a remis mère. Quel frère, voilà! C'est incroyable, Kamel! Ok, y'a rien, y'a rien. Dans le village. Qui va mourir ce soir? Un dictateur, un garde peut-être. C'est toi, tête de nœud. Oh putain. Oh là là. J'entends des gens qui sont morts. C'est normal, tu vas bientôt mourir, Rika. J'aurais bien voulu. Comment il a des trucs de micro comme ça? Voilà, truc. Y a pas un ingé son dans le chat, s'il vous plaît? Un ingé son pour avoir ça? Allez, chasse-moi, s'il te plaît, frère. Tu es un chasseur de vampires. Fais-moi devenir vampire. Je veux devenir vampire. Du coup, c'est le chasseur qui trouve, ça tue un des vampires, ça? Ouais. Ouais. Et si le vampire tombe sur... Ok. Ouh là 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 là. Alors l'assassin, je sais pas qui t'es. Alors attends, il y a un coup d'état. Terracide réalise un coup d'état. Un coup d'état. Mais va te faire enculer, Coco. Terracieux, devenir merde. S'il te plaît, Mickaël est mort, ne parle pas. Écoutez, soit vous avez un call à me dire, soit je vais rester sur ma première proposition. Ah. Il y a quoi? C'était quoi la question? C'est quoi la première proposition? Soit quelqu'un a une preuve, soit je vais rester sur ma proposition que j'ai en tête depuis tout à l'heure. C'est-à-dire? Vas-y. C'est Magla. Mais t'es un connard. J'ai aucun call. Magla, franchement, ce que tu vas faire. En vrai, elle a eu que des rôles méchants. En vrai, tu peux. C'est, enfin, je prends ma sentence parce que je suis un peu déçu de ce qui s'est passé sur le... Tu fais jouer les émotions pour pas que je le fasse. Non, non, vas-y. Attendez. Le jure, Terra. Tu peux me tuer, je te le jure. Comme ça, qui... ça rattrape. Attends, Terra. Qui aurait visé Gotha en étant assassin? Faut aussi raisonner comme ça. Kamel. C'est pas moi, c'est pas moi. J'ai juré, toi, tu vas voir que si tu... Sale chien. Incroyable. Non, mon apprenti. Tout se passait trop bien, pourquoi? Mon apprenti, non. J'avais oublié que s'il tombait, il voulait que je passe la soirée de merde lui. Tu viens avec moi. Allez, fais des blagues d'office dans le chat des morts maintenant, et voilà. Putain, ma théorie était donc vraie, c'était lui qui... Oui, t'as raison, mec, j'ai transpiré. J'ai vu, j'étais infecté, j'étais sûr c'était Leclerc, avant même de savoir, je me suis dit, quel bâtard. Alors attendez, tu restes. Bon bah... Allez, j'ai l'assassin. Ok. Non, 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 si vous le trouvez là, c'est... Moi, depuis le début, il y a des soupçons sur Magla, donc... Alors, je tiens juste à dire que... Je vous ai détesté dès le premier coup, mais je peux pas dire plus, voilà. Oh, je ne suis absolument pas l'assassin et je vous déteste pour ce que vous avez fait au premier tour. Au moins j'ai joué deux tours. Là. Extrêmement violent comme défense. Dit-elle alors que je suis mort en premier. Bah au ouais. Au premier tour on a. Mais c'est pas ça. Je ne peux rien dire. Je ne développe pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc je pense que soit Jill, soit MV. Non. Joycan, non, je pense pas. Premier tour. Non. Il est trop gentil. C'est pas possible. C'est ça. Oui, il est surtout silencieux. Non. Qu'est-ce que ouais, Magla. Je peux m'exprimer. Tu aussi d'ailleurs. Oh non, pour le coup non. Ah bah non, hein. Oh non, un peu cher. Fille, hein. Attends, pourquoi vous votez vous là? Sérieux, si Magla. Moi j'ai mis toi Magla parce que depuis le début il y a eu quand même des soupçons. Elle t'a voté aussi, hein. Là, pourquoi vous votez tous pourquoi pour moi? Quelle est la raison? Mon doigt glissé. Mon doigt accusateur a glissé. En fait, c'est un peu proche de moi en période de confinement. Je voudrais qu'on soit un peu plus espacé, s'il te plaît. Voilà. Sérieux, il peut reglisser de l'autre côté. C'est comme ça, tu vas devoir faire le choix, MV. Ah, d'accord. Parce que voilà. Magla, c'est plus ou moins offerte, entre guillemets, hein, bien sûr. Quand Terracide a dit je vais te buter. Ouais. Et elle a été, bon, elle a été pyromane 12 fois, quand même, ce qui est balèze en cas partie. Il n'y a plus le pyromane, donc bon. Je ne peux mais plus statistiquement, on ne sait jamais. Hein. Moi, je suis irréprochable par cette première partie. Je suis irréprochable et j'apprécie mes concitoyens et je n'ai pas voté. Je dois choisir qui a mourir. Honnêtement, je ne suis qu'un simple villageois, voilà. Et pourtant. Et pourtant, je pense que je vais mourir, mais honnêtement, ce serait dommage. Il a dit qu'il était honnête. C'est bizarre. Il a dit qu'il était villageois. Mais moi, je me suis offerte, monsieur le maire, je me suis offerte.
Maintenant, je suis rongé. Oui, mais justement, offerte un peu trop facilement. 5 secondes 4 secondes 3 secondes un peu facilement. Donc une parole. Ah merde. C'est pas moi, je vous jure que je suis... Il fallait la buter. Toujours. Désolé. Voilà. C'est Gilles. Voilà. Mais non, c'est trop gentil. Attends, tu rigoles ou quoi? Quoi? Tu pars un peu dans les aigus quand tu es accusé et que tu es quelqu'un de mauvais? Bah non. Bah, pas mauvaise. Est-ce que t'as essayé d'arrêter les aigus là? Écoute, Gilles, je pense que tu es assassin. Eh bien, tu te trompes, mais bon. Putain, ah ouais, je vais être sûr. Ah, je sais plus. Mais moi, sûr, mais moi, mais moi. S'il te plaît, ah, s'il non, te plaît, MV. C'est Gilles. Non, 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 non. Eh, MV. MV, s'il te plaît. Alors franchement, vraiment, c'est avec Gilles. Le truc qui vient de se passer là. Oui, oui, bah oui. Non, mais alors, te trompe pas, ça me... Moi, je suis dégoûté parce que je devais protéger Gilles. Quelqu'un et je l'ai pas fait et j'aurais tout su. 7 secondes MV. 8 secondes. 5 secondes MV. MV, 3 secondes. Oh non, mais non. Tu as fait le bon choix, MV. Ouais, Magla, let's go! Non, non, putain! Let's go, Magla, bien joué! Yes, let's Magla, go! Magla, dis-moi que t'es villageoise! Dis-moi que t'es villageoise! T'es villageoise! T'es villageoise! T'es villageoise! Ouais, c'est moi la gagnée! Dommage! Sachez que j'étais ange au début et j'aurais tellement aimé vous continuer de me tuer! Ah, je vous ai détesté! Bien joué! Clique Magla! Clique Magla! Ça m'a gagné! Moi j'étais débordé cette game! Oh Magla! Les gars, le truc des vampires, c'est génial! C'est génial! C'est génial, sauf quand tu crèves au début, t'as vu? Parce que franchement, c'est. C'est vrai que je peux pas avoir un rôle important, moi, je dois avoir un rôle. Bien joué, Gilles, t'es allé très très loin! Tu t'es bien fait oublier et tout, c'était très beau cette game, putain! Mais oui, attention, oui, Camille, c'est qui qui a dit que Jill était voyante au début? Ange. Non, c'est parce que j'ai dit. Non, mais elle a dit, souviens-toi, c'est Locke, je crois, mais, ou Mika, non, je sais plus. C'est moi, c'est moi. Non, mais pourquoi personne n'a démenti? Tu sais, normalement, il y a des gens qui démentent. Mais t'inquiète, je me suis bien démerdé, non? C'est le chasseur de vampires qui m'a buté au début ou pas? Non, non, c'est toi que j'ai buté, t'inquiète. Ok, t'es mort. J'espère juste pour toi que je suis pas chasseur, vraiment. Mais les gars, me donnez pas le rôle de chasseur parce que je vous le dis. Vas-y, on relance. Du coup, j'avais raison avec tes aigus. On relance une game, je te sens. Allez, petite game villageois. Oh putain, c'était débordé. Même à la fin, je crois que c'était MV tout ça. Franchement, là, vous êtes une game propre de ouf. Trois des villageois. Désolé, Gilles. Putain, ça marche pas. T'as super bien joué. Ok. Ok, on gagne ce soir. Non, à quelle soirée de merde, tu vas te crever. Je vous le rappelle, je suis pur. Qui a dit ça? Comment ça, toi? S'il te plaît, transforme-moi en vampire. Je t'en supplie, transforme-moi. Non, c'est Terra. S'il te plaît. Non, c'est Joyka. J'ai rien dit. Hein. J'ai rien dit, je dors la nuit, moi. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, transforme-moi, frérot. Transforme-moi. S'il te plaît. S'il te plaît, le vampire. Le vampire, s'il te plaît. Le garde, si tu sais pas protéger quelqu'un et que tu protèges quelqu'un d'autre que moi, tu fais une grave erreur. S'il te plaît. Bien sûr. Protège-toi, okay. Le garde. Hein. Protège-toi. T'es morte. Toi. T'es morte. Bah, justement, si je meurs vraiment à ce prochain tour, posez-vous des questions. Hein. Allez, le vampire. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas. Odo, ici, là, c'est quoi ça? Locke, tu parles trop, tu vas encore mourir. Allez, vampire, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux encore une. Tu veux mourir? Attends, je baisse ton son. Choisis-moi. Choisis-moi, ma gueule. Attends, c'est moi que je veux. Allez. C'est moi que tu veux. Je suis vampire, c'est sûr, je suis vampire. Je suis un vampire. Domo. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Non, je suis pas un vampire, je suis une pute. Allez. Allez, t'es un connard. J'ai rien fait. Focus. Les deux survivants de. Comme par hasard. Tire, sinon tu vas pas, tu vas perdre les deux villageoises direct. Magla, je voulais cliquer au dernier moment. D'état directement. Les chasseurs, si tu tires pas. Oh là là. Je l'ai divisé dessus. Oh là là, Mika, il a ruiné la game. Mais c'est qui le débilote? Attends, mais quoi? Mika, il a fait un coup d'état. Vous êtes nul à chier en loup-garou. J'en peux plus. Mais y'a pas de loup-garou, Jack. Qu'est-ce que tu parles, toi? C'est des vampires, merde. T'es un noob, toi.
Mais parle mieux. Pas dans ta soirée, là, hein. Restons positifs, l'ange n'a pas gagné. C'est vrai, en vrai, ouais, bien vu, Mika. C'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé, mais en fait, de base, je voulais tuer Coco, il a crié tête de nœud, du coup, j'ai cru que c'était. J'ai une question à Chitos. Est-ce que dans le chat, il y a marqué si un gars était infecté par le vampire cette nuit ou pas? Ou c'est genre invisible? Attends, moi, je l'ai pas vu, donc c'est invisible, non? Oui, au réveil. Si au réveil, c'est marqué, ah, okay. Ça veut dire que le vampire n'a pas fait garde, ses tâches. Que le garde a gardé le gars qui il avait vendu, ou alors que le vampire a volontairement pas choisi de gars. Ou alors il est tombé sur l'assassin, sinon c'est possible. Ouais. Bah non, je crois l'assassin que ça peut se faire vampiriser. Je crois qu'il peut se faire vampiriser. Okay, je crois. Okay. Okay, mais il perd ses pouvoirs d'ailleurs. Ah, choisis-moi, s'il te plaît, vampire, vampire, ma gueule. L'assassin, il peut juste être tué par vote, c'est ça? Pourquoi tu demandes? Tu es immunisé contre l'attaque des loups, pyromanes et des vampires, ouais, c'est ça. Il peut pas être tué non plus. Hein. Ça commence à faire beaucoup là. Bon, là, ouais, là qui a osé là, une hécatombe? Ça commence à être. Vous voulez pas juste être d'accord? On nique l'assassin et le vampire à un moment? Bah, là... Chasseur vampire, sors-toi les doigts du cul là, putain! Les cours Florent là. Le problème, c'est que la voyante elle est morte. Oh non. Ok. Oh là, faut bosser là. Déjà là, faut voter pour le maire, hein, y'a pas eu de maire. Hein. Ah oui, putain. Ah mais oui, c'est vrai, on a même pas eu le temps. Mais du coup, en fait, le vampire peut se faire baiser parce que s'il vote pour quelqu'un et qu'il se fait poignarder derrière, il vote pour rien. Rappelez-vous qu'il y a un deuxième vampire, j'ai rien compris. Moi, je veux bien être maire, croyez en gros. En gros, imagine Kamel, vampire, je te mets vampire. Sauf que l'assassin derrière il t'assassine. Bah, du coup, en fait, il n'y a pas d'autre vampire. Oui, c'est le risque. C'est toi qui me mets. Oui, il faut qu'il y ait de la luck. Oui, t'as raison. Ok. On n'a pas entendu Kenny et Gotaga. Est-ce que vous voulez être maire? Qu'est-ce que vous pensez de la situation en ce moment dans le village? Là, la game c'est la merde. Je peux pas trop les deux, donc je vous laisse faire. Attends, mais l'ange ça compte ou pas là? Vu que c'est le premier tour, on va voter. Quand il fait ça. Non, l'ange pas quand il fait ça. Ah, okay. C'est impossible de comprendre. Lucas, tu veux encore me tuer random et tuer un village? Mais non, justement non, parce qu'à chaque fois que t'as fait ça, je me suis planté. Que t'es innocent ou pas? Quand tu fais cette technique de merde là, genre moi je suis retrait, les gars, je vous laisse faire. Kenny, tu vas être maire? Parce que moi j'étais tué pour devenir maire si tu veux. Je veux bien, mais je... Ok, Kenny Mer, c'est bon les gars, Kenny Mer. Attendez, l'ange... Il est motivé, attendez. Je suis jamais été aussi chaud par contre. Non mais il n'y a plus d'ange. Ah si, il y a l'ange. Ah bah, il y a l'ange. Okay. Moi je veux bien être mère en vrai. C'est vrai, c'est le premier vrai conseil en fait. Ah, j'ai zéro vote. Ah non, Magla t'as quitté. C'est pas grave, j'étais morte. Moi je veux bien être mère, mais après je veux pas forcer donc... Les gars, potentiellement l'ange peut gagner et il a beaucoup de chances de gagner. Parce que ce tour-là compte comme le premier tour alors qu'il y a eu 5 morts. C'est une aubaine pour l'ange. Je sais pas. Après ça serait pas une vraie victoire d'ange quand même, je te dis. Ah, il est deg. Je la considérerais pas comme une victoire d'ange, voilà, je vous le dis au cas où. Ce serait la première victoire d'un ange là. Putain, j'avoue, c'est. Kamel mère. Ok, vas-y, c'est sympa, vas-y, go. C'est quoi, sympa, j'ai pas été mère. Mère lui-même. Okay. Pourtant, il m'a fait du sale, hein. Donc si je le... Ouais. Sans rancune. Ça sent le cul, mais j'y vais. Non, vraiment non. Non, jamais. En plus, je suis beau avec un costume. Quoi, t'es pas content que je sois mère, Kenny? Non, je réfléchis, c'est terrible. Ah, c'est terrible, carrément. J'ai trop peur de l'ange. Bien sûr que... Bah, ouais. Bon, qu'est-ce que vous avez à me dire, là, les villageois, là? Là, comment ça va? Ça va. Il y a quelqu'un qui a été protégé. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, parce que j'ai envie de regarder à ma droite, quoi. Tout comme des fois, je regarde à ma gauche. Mais pourquoi t'es agressif? T'es tendu? Qu'est-ce qui se passe? T'as peur de quelque chose? Il fixe comme ça, wesh. Il fait peur, voilà. Regardez comment il fixe. T'as quelque chose à te reprocher? De quoi? Faut être détendu. C'est bizarre d'agresser un voisin comme ça. Mais non! Bizarre, Joyka, là. Mais trop pas. Bah, je sais pas, on est pas dans le métro, quoi. Je peux te regarder sans. Enfin, tu sais. Bah c'est vrai, en plus t'as une distance raisonnable et respectable, pardon, je bégaye un petit peu. Pourquoi t'as bégayé en plus dans la syllabe là? J'ai l'impression que t'es sur une descente aux enfers ou je me trompe là, Jordan? Pas du tout. Non, qu'est-ce qui se passe? Aux enfers ou une descente d'organes? Non, en vrai ça va. Il a l'air sous tension. Je suis sur mon petit plot, tout va bien. Pourquoi? Monsieur MV, ça veut dire quoi le V dans votre pseudo? Dans votre ah, ça, c'est bien, ça veut dire vulve. Ah, okay. Je pensais que ça voulait dire vampire en fait. C'est un pseudo anglais, mechanical vulva. Vulve, les deux mots sont très proches. Okay, ouais. Vulve et vampire, c'est assez proche. Mechanical vampire, ça passe bien aussi. Hein. Ça passe, ça sonne bien en plus.
Alors oui, si la vulve est pourvue de dents, on appelle ça un vagina dentata. Ok. Oh. Ok. Ça va, technique, technique. Ok, ok. Okay. Lourd, lourd, pas mal, mais ça nous avance pas trop. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Gotha, t'en penses quoi? On n'a rien à accuser. T'as pas d'info, rien. Alors, Kamel, non, aucune info. Ok. À part que je pense que Lucas garde. Ah, ok. Okay. Dis rien. Je t'en supplie, dis rien. Que tu saches que je suis gentil ou méchant, ne parle pas de moi. Je t'en supplie. Généralement, ça me met dans la merde. Généralement, sauf si tu dis je suis villageois, je peux être dans la merde. Moi, je suis au bout. Hein. Je vais gratuitement et éhontément accuser Gotaga. Je pense qu'il ment. Voilà. Parce que c'est la seule attaque qu'on a eue depuis le début. Trop peur de l'ange, moi, Kamel. Je te dis la vérité. Il pue sa mère, ce conseil. Franchement, les gars, c'est pas ouf ce qu'on propose. Mais c'est toi le maire, t'as qu'à driver, faire un truc aussi. Ah, tu veux, Camille, tu fasses un truc? Ok, moi ça me va. Bah, fais un truc. Bien. Ok. Sinon, t'as un mauvais maire et on change de maire en fait. Non, mais je réfléchis encore. On a vraiment pas assez d'infos, j'ai pas de quoi travailler. Après, comment on peut faire en vrai? Et là, Kamel est ange et il est bien emmerdé. Ça, c'est incroyable. Bah non, si j'étais ange, j'aurais été trop heureux là. C'était une free win. Donc, t'es bien silencieux, t'as un petit truc à nous dire. Tu toujours être drôle, hein. Effectivement, je suis actuellement sur une enquête. Votez quelqu'un pour safe, même si c'est random, même si c'est moi, votez quelqu'un pour safe. Ok, bon, bah. J'ai pas envie que l'ange gagne. Si c'est toi. Si t'as fait ça, c'est même si c'est toi. Non, attendez. Moi, je pense que c'est Joyka, l'ange. Je sais pas pourquoi j'ai un feeling sur Joyka. 20 secondes. Venons, tu MV, non? Comment ça? Ne le tuez pas par plaisir. Regardez, il se défend. Il se défend, c'est pas un ange. Go. Oh là là, oh, quelle guigne. Non. Non. S'il vous plaît, Kenny, était en plus, volontaire. Moi, ça me va si il MV gagne. Être volontaire. Il est bon. Eh oui, je suis un bon maire. Je suis bien un bon maire. Bien joué. It's okay. En vrai, il y avait vraiment aucune info de nulle part. C'est trop dur. Non, mais même si. Attendez, là, ça veut dire qu'il y aura 3 vampires à la sortie du truc? Attends, ça va être un combien? 3v3? Non, c'est une game sur deux. Une game sur deux. C'est une nuit sur deux, ok, non. Ouais. Oui. Donc là, il y a 2 vampires encore. Est-ce que le chiffre vampire il augmente ou pas? Ça reste à 1. Ok. Je crois que ça reste à 1, mec. Hein. Là, parce que t'en as 2 là. Gotha? Là, il y en a 2 de sûr là? Ouais. Ouais. Ok. Pourquoi peut-être tu penses pas, que Squeezie est garde? Parce que c'est le seul qui a tilt sur le. Au début, c'est on s'en battait tous les couilles sauf lui. Il a fait ah non, mais le garde a fait un peu de ouf. Arrête. Arrêtez de débattre sur moi. J'aurais juste pu voter pour le chasseur de vampires, du coup, et se faire avoir. Oui. Ah, parce que les vampires peuvent pas tuer le chasseur de vampires? Non. Non, mais. Ah ouais. Mon enquête a été menée jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Kenny est vampire. J'ai pas compris de quoi. Franchement, l'enquête là, y a rien dans l'enquête là, frérot. J'ai pas compris de quoi. L'enquête, c'est Kenny et vampire. J'ai pas changé de camp. Je veux juste savoir c'est quoi ton enquête. C'est vrai. L'enquête, c'est qu'il y a beaucoup de rounds qui se sont déroulés. J'ai eu le temps de pister pas mal de choses. Ok. Non, attends. C'est quoi ces choses? T'as dit mot pour mot, mais le vampire, si tour 1 il tombe sur le chasseur de vampire, il est mort. Je t'ai dit bah oui. Et là, t'as dit c'est Kenny. Quel est le rapport? Explique-nous. J'ai pas compris. On veut le lien dans tout ça là. Sinon, tu sautes, hein. Non, moi je l'ai placé, désolé, mais. Je vais pas te mettre la pression. Attends, Kenny, par contre, attends, laisse-le parler. Je peux pas dévo non plus. Y'a rien à dévo, y'a un survivant, un chasseur, 2 vampires et un gars qui sert à rien. Y'a rien à dévo. C'est pas de vouloir te sauver en disant qu'il peut pas dévo. Je sais que sur ma gauche, y'a 2 personnes qui n'étaient pas vampires fut un temps. Maintenant, je ne connais pas leur situation actuelle. Ok. Et à ma droite, j'en connais un des 2. Donc, pour moi, c'est entre Squeezie et Kenny. Maintenant, le village, vous faites ce que vous voulez. Mais y a pas 3 vampires dans comment la game. Ça, t'en connais un des 2. Y a pas 3 vampires, il y en a 2. Parce que la première nuit, il n'y a pas eu le message. Entre Kenny et Squeezie. Après, t'es bien renseigné quand même, Squeezie, là, sur le nombre de vampires, frérot. Ouais, c'est vrai, ça. Bah non, mais je vous dis, par rapport non, à la première nuit, c'est ce que Gotha a soulevé. Ah oui, c'est écrit. C'est écrit dans le chat. Et la première nuit, il n'y a pas eu écrit. Ah, mais t'es très attentif. C'est juste que t'étais un peu trop sûr de toi dans ta phrase. Je veux savoir combien j'ai d'ennemis, bande de ouf. Ok, du coup, Dwag, c'est Kenny, c'est ça? J'avais juste peur de l'ange. Putain, j'ai halluciné, il y a un mec contre les vampires, on l'accuse, bande de chiens. Il reste 60 secondes. Non, c'est pas Lucas. Écoutez-moi, il y a eu 2 possibilités. Soit effectivement, Squeezie a eu une révélation soudaine parce que, oh, le garde, on n'a pas pu l'attaquer parce qu'il est garde. Soit il est vampire, il a pas réussi à attaquer la personne qui a été protégée. Et du coup, il a réussi à découvrir ça comme ça.
Donc là, il y a deux possibilités. C'est vrai. Voilà, il y a ces deux possibilités-là. Et moi, les deux sont possibles. J'ai envie de suivre le call de Dwagby et de piffer Squeezie. Bah, le call de Dwagby, c'est les surfaces. Tu peux piffer au moment où Dwagby te défend. Donc ta strat pour te défendre, c'est de me cibler une fois que toi, t'as été cibler. De nous cibler tous les deux. Ouais, absolument. C'est ma strat. J'ai rien de mieux. Ok, ok. Parce que. Voilà, je sais pas, après Squeezie, il a voulu être discret toute la game aussi. Avec Squeezie, donc toi, tu veux pas que j'insiste que tu sois garde, c'est ça? Mais non, mais ça changera rien en fait. D'une manière ou d'une autre, ça changera rien en fait. C'est vrai que t'as joué ta game bizarrement, Squeezie, là, t'es trop discret. T'as peut-être un truc. Je suis discret, man, je fais que de parler, je compte les vampires. En vrai, c'est Joka qui est discret. Excusez-moi d'insister des fois quand même. Et Gota, Gota aussi, c'est vrai. Gota, il parle pas. Après, lui. T'es chaud au jeu. Oh, comment t'es chaud au jeu. Gota, cherche pas Joka. Il est trop chaud. Ah. Et voilà. Ok. Bah, c'était sûr, il nous le disait en plus. En gros, Kamel, t'as changé de console, bâtard. J'ai pas changé, c'est toi qui as voté Kenny. Putain, vas-y, va me fumer. Chut, y'en a, ils veulent dormir, chut. Vas-y, focussez-moi si vous êtes des bonhommes là, les loups pour moi. Y'a pas de loup. Enfin, les vampires là, je sais pas ce que c'est là, les. Quoi? Moi, je vais avoir des questions après cette game. Elle est calme cette nuit. Bah écoute, comme d'hab, on t'a suivi, Dwag, et c'était de la merde. Hein. Fais pas genre, je crois que ça t'arrange en plus. Ouais, bah ouais. Bah lui, dès qu'il fait de la merde, ça arrange quelqu'un. Non, mais étonnamment, personne n'est mort cette nuit. Je peux poser une question, mais ça va être un peu hors game quoi. Mm-hmm. Je vous ai checké tous les 4, et tous les 4, il y a marqué Monsieur n'est pas vampire. Bah c'est vous que c'est. Louis me dit que le chasseur de vampires il a bug là dans la game. Bah voilà, putain, ah putain. Vous faites la bonne incroyable, il est pas vampire, gros. Vous êtes tous pas vampires, pour moi il est pas vampire. Et ça tombe sur Dwag. Et après ça tombe sur l'idiot du village. Mais tu pardon. Vas-y. Bah de toute façon c'était prévu, frérot, c'était le plan donc. Merci. Ah mais c'est pour ça, ok, je me disais aussi. Je me disais la game était trop folle. Mais tout le monde m'a brain, c'est grave. Oh merde, je disais, tu es personne alors qu'on était beaucoup de vampires. C'était une game buggée, c'est ça du coup. C'était moi à la base, j'ai voulu mettre. Ouais, j'ai vu que tu m'as grillé. J'ai voulu mettre Gota, mais Gota a été garde. Il a été gardé. Et non, je me suis survivant. Ah ok. Ah non, tu m'as garde aussi. J'étais bon sur toi. Et Kenny, je sais qu'on n'a pas Rodevo, mais tu peux aller un peu plus quand même. Parce que genre, ouais, mais en vrai j'avoue, j'essaye de faire des choses. Non, à un moment, t'as dit, non, je crois que Squeezie ment. Mais du coup, c'était pendant le tour de l'ange, donc j'étais en mode, est-ce que c'est pas l'ange? Est-ce que c'est. Ouais, vote, Coco. J'ose trop pas aussi, je pense. Non, j'ai pas envie que t'aies du fun. Par contre, Squeezie, quand c'était le tour des vampires, on entendait son clavier à la mort. Il voulait pas Squeezie. C'est pour ça que je t'ai dit, arrête avec ton clavier. Ça faisait. J'entendais ta. Personne n'a cramé. Bon bah désolé Dwag, t'as fait probablement la pire game. Dwag, t'as mal joué frère, c'est tout. Je préfère ça qu'avoir amené Kenny en mode. Au moins ça justifie que j'ai voté Kenny, tu vois. Non mais ça a bug ou c'est juste qu'il a été. Non, ça a bug. J'essaie de te faire comprendre Dwag que j'étais garde, mais c'était pas clair apparemment. Bah, parce que je savais que t'étais chasseur de vampires aussi. Mais en fait, bah comme quoi. Mais c'est trop bien avec les vampires parce que comme ça on a le temps de s'entretuer. Ouais, c'est pas mal. C'est trop bien. Là, j'aime bien moi cette compo. La méta est cool là, je suis d'accord. Ouais, mais l'assassin est en train de checker. On va tempo 2 minutes. Il trouve juste le bug qui fait que le chasseur de vampires là était inactif dans la game, malheureusement. Non, mais t'as checké Squeezie à quel moment, Doc? T4, t'es tour 4. Ouais, j'ai fait Gota. De toute façon, Squeezie, t'es premier vampire. Parce que moi j'ai été modifié vampire. Toi, tu check, mais tu en tues un la nuit aussi, surtout, je crois. Je crois que t'en tues un. Ouais, mais en fait, ça se trouve, c'est pas bugué, c'est juste qu'en fait, t'as eu un manque de timing. Non, impossible, mec, à moi, il y avait deux vampires. Lucas, c'est le vampire principal. Ouais, moi, j'étais le vampire principal là. Ah oui, ça pas marché sur Lucas, ok, d'accord. Ouais. Parce que moi, quand il m'a scout, j'étais pas vampire. Désolé pour le bug, ils vont le fixer et on va retirer en attendant le vampire, le chasseur de vampire, le temps qu'il fixe ce petit problème et ensuite ils vont le voir. T'es vampire T3, toi, Kamel. Un truc comme ça, ouais, T4, je crois. Ouais. Genre avant ce tour là, quoi. Ouais. Le tour où j'ai fait voter Kenny, quoi. Ouais, j'étais déjà vampire là. Ouais,
Ouais, tu venais d'être vampire. Ouais, je ouais exactement, il venait d'être bon, vampire à ce moment-là. Bon, ça me rassure, putain, ouf. Non, non, t'étais bon, ouais, je me disais. Non, mais en vrai, c'était bizarre, ouais, que là, le vampire. N'est... Non, même statistiquement, à la fin, on est 3, c'est obligé de. Après, dans tous les cas, moi, j'allais tuer quelqu'un pour qu'on soit 4v2, genre. Enfin, 3v2, pardon. Ok. Je suis quand même choqué comme Magla et Jill, vous avez été fortes là en début de soirée là. Putain. Oh bah écoute, ça bosse hein. J'ai l'impression que par vengeance, ça va beaucoup voter contre vous là lors des villages. Ah là là, grave. C'est ça valait le coup en vrai. On a fait des belles games donc c'est ok. C'était pas mal du tout, je l'admets. C'est quoi vous alors... êtes en cul ou quoi? On dirait que vous êtes en équipe. Toujours, mais j'étais abusé. Peut-être.